Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Rivière-du-Loup du lundi 27 février 2023. Pour les gens qui sont à la maison, vous avez pu voir avant le début de la séance, là, c'est une petite vidéo qui a été faite lors de la fête familiale du 22 janvier à la bibliothèque. Dans le fond, on a voulu présenter les images de notre nouvelle bibliothèque. Fait que pour les gens qui n'ont pas pu encore y aller, bien, ça vous donne un avant-goût. Je vous dis de ne pas vous gêner pour y aller, parce qu'effectivement, on a eu d'excellents commentaires. Les gens apprécient énormément de voir la clarté qu'on retrouve là, toutes les choses, le Media Lab. Il y a une partie pour les jeunes, pour les jeunes enfants, les jeunes adolescents aussi, fait qu'on retrouve de tout. Fait que je vous invite à vous rendre à la bibliothèque pour aller la voir de visu, comme on dit. Fait que je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 13 février 2023. En 4, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt 21-26. En 5, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 21-24, modifiant le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. En 6, déclaration du greffier intérimaire et adoption du règlement 21-28, amendant le règlement 20-98 concernant la circulation et le stationnement. En 7, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 166-168 rue La Fontaine. En 8, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 386 rue La Fontaine. En 9, acceptation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 232 rue Témiscouata. En 10, acceptation de soustraire un immeuble à l'obligation d'aménager 3 cases de stationnement. En 11, acceptation de soustraire un immeuble à l'obligation de payer une compensation pour l'exemption d'une case de stationnement. En 12, confirmation d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour le 160 rue La Fontaine. En 13, confirmation d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour le 319 rue Fraser. En 14, approbation d'un contrat d'acquisition de bandes de terrain sur le boulevard Hôtel de Ville. En 15, autorisation à réaliser une opération cadastrale. En 16, approbation d'entente de partenariat intervenir avec Harmonie de Rivière-du-Loup et la Maison de la famille du Grand Portage. En 17, approbation d'un protocole d'entente intervenir avec le Club d'athlétisme de course à pied Filou de Rivière-du-Loup. En 18, confirmation d'une permanence au poste d'inspecteur de bâtiment et en environnement. En 19, demande de renouvellement d'une reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée au 60 rue Iberville. En 20, demande de renouvellement d'une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée au 465 rue Saint-Pierre. En 21, désignation de signataire auprès de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. En 22, désignation d'administrateurs principaux aux fins d'utilisation du service Accéder à faire. En 23, versement de contributions financières dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes socio-communautaires. En 24, achat d'un couvert pour le dîner-conférence organisé par l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, section Rivière-du-Loup. En 25, nomination d'un maire suppléant. En 26, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. En 27, opposition au redécoupage électoral pour l'Est du Québec. En 28, opposition au retrait du thème Rivière-du-Loup dans la dénomination de la nouvelle circonscription électorale. En 29, autorisation aux organisateurs et participants du relais à vélo Aldo Deschênes à circuler sur le territoire de la ville. En 30, confirmation d'engagement de la ville à prendre part au projet L'économie sociale j'achète. En 31, proclamation de la Semaine nationale de promotion de la santé mentale positive. En 32, période de questions. En 33, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Chantal Amstad propose. Elle sonne la page appui. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 13 février 2023. Il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le procès-verbal du 13 février 2023. André Beaulieu propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt 21-26. Alors, je dépose devant ce conseil le certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 21-26 du 13 février 2023, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 985 000 $. C'est un règlement par appui. Il n'y a aucune personne qui a signé le registre, M. le maire. Merci, M. Lagacé. Le point 5, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 21-24. Modifier le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification.
Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente Assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement d'urbanisme 21-24 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Ce projet de règlement est communément appelé un train semestriel de modification parce qu'il contient des ajustements cumulés depuis l'adoption des dernières modifications, c'est-à-dire en juin 2022. Ce type de modification regroupant plusieurs adaptations a lieu deux fois par année et est gratuit. Les personnes qui demandent de procéder à une modification en dehors de ces deux périodes, hiver et été, doivent débourser les frais reliés à la publication des avis. La grande majorité des modifications présentes dans ce train ont été analysées par le Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, et le Conseil a reçu les recommandations du CCU et a ensuite décidé de leur acceptation ou de leur rejet. Ainsi, le projet de règlement 21-24 modifie le règlement de zonage 1253 de façon à agrandir la zone résidentielle 16 RB. Là, on voit à l'écran aussi, puis à la télé, c'est la même chose. À même la zone 26 RA, dans le prolongement ouest de l'intersection de la rue Bellevue et de la côte Saint-Jacques, afin de permettre l'usage multifamilial. Cette modification permettra aux propriétaires de l'immeuble situé au 21-25 rue Bellevue d'ajouter un logement passant d'un usage trifamilial isolé à un usage multifamilial isolé de 4 logements. Le point 2, agrandir la zone 3IC à même la zone 7IC au 124 rue Louis-Philippe Lebrun, afin de permettre la compagnie Mercier Électronique Limitée de relocaliser leur opération sur le terrain en autorisant la classe d'usage 47, c'est-à-dire communication. Eux, ils étaient déjà situés sur la rue Fraser, dans le parc industriel, dans ce secteur-là, dans la zone 3IC. Ils ont déjà une tour de communication. Dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un petit bâtiment près de leur tour, fait qu'on va pouvoir le permettre en le faisant de cette façon-là. Le point 3, agrandissement de la zone 3PA à même la zone 12MA, afin d'intégrer le terrain attenant la rivière du Loup à la zone de conservation du parc des Chutes. Fait qu'on voit, là, c'est vraiment une modification très, très légère, là. C'est dans le milieu à peu près de la diapositive, là. Fait qu'on voit, là, c'est vraiment très léger comme modification. Le point 4, ajustement de la zone 8IC à même la zone 8IA, afin d'ajuster le découpage des zones au contour des lots du cadastre du Québec. Cet ajustement de la zone est devenu nécessaire en raison du projet d'agrandissement de l'entreprise Car Expert. Fait que dans le fond, on avait déjà présenté ça, Car Expert, qui est sur le chemin des Raymond. Fait qu'eux, ils ont fait une légère modification. Dans le fond, on fait juste la représenter, là, parce qu'ils tassent un petit peu. Je pense qu'ils ont besoin d'un petit peu plus grand terrain ou que ce qu'il y avait prévus dès le début, sont obligés de le tasser un peu. Là. Fait qu'on voit ça, là, mais c'est léger. Là, à l'œil, on le voit quasiment pas. Là. C'est une question de mètre, je pense. Bon, le point suivant, le point 5, ajouter l'usage d'habitation unifamiliale isolée à l'intérieur de la zone 16 RB, située sur la rue Bellevue, afin de conserver les usages qui étaient autorisés à l'intérieur de la zone 26 RA avant l'agrandissement de la zone 16 RB. Tantôt, là, je vous ai parlé qu'on faisait un multifamilial de 4 au lieu de 3, mais c'est pour permettre aussi aux gens qui ont déjà une maison normale de pouvoir intégrer la zone. Puis au pire, tantôt, là, M. Malenfant, je pense que ça ressemble à ça, hein? Le point 6, ajouter l'usage multifamilial 4 à 5 logements à l'intérieur de la zone mixte 9 MA, située sur la rue Témiscouata, afin d'ajouter la réglementation au cadre bâti existant pour l'immeuble situé au 190-192 rue Témiscouata. Dans le fond, il y a un bâtiment qui est là qui est, si on veut, quasiment dans le stationnement de la pharmacie qu'il y a à Saint-Ludger sur la rue Témiscouata. C'est un bâtiment qui était de 4 logements, mais il y a eu une époque où ça avait été transformé en 5. On a eu connaissance de ça. Fait qu'on va le permettre parce qu'ils vont faire les modifications sécuritaires pour pouvoir le faire. Fait qu'on vient l'encadrer de cette façon-là. Le point 7, ajouter la classe d'usage 25 meubles et mobilier à l'intérieur de la zone commerciale 3CC sur la rue Témiscouata afin d'autoriser l'occupation du bâtiment par l'entreprise Aspirateur 116 au 232 rue Témiscouata. Fait que Aspirateur 116 qui était sur Boulevard Hôtel de Ville vont déménager dans ce bâtiment-là qui est l'ancien à côté de Pâte-Alpha, là, je cherche le... Hein? Ouais, c'est un petit café qui était là, je cherchais le nom, là, j'ai un blanc de mémoire.
Le point 8, ajouter l'usage, vente au détail de meubles d'équipement et d'appareils ménagers, d'ameublement et d'armoires de cuisine à l'intérieur de la zone commerciale 3CD sur la rue Témiscouata afin d'autoriser l'occupation du bâtiment par l'entreprise Poitras Meubles et Design au 373 rue Témiscouata. Dans le fond, c'est le bâtiment qui est voisin du centre routier. Et, Monsieur le maire, c'était Cuisine Expresso. En plein ça, Cuisine Expresso. Bon, le point 9, ajouter les usages d'habitation unifamiliale en rangée et le multifamilial 4 à 12 logements à l'intérieur de la zone 85 RA, située dans le prolongement de l'intersection des rues des Cheminots, Beaulieu et Thomas Jones, afin d'ajouter la réglementation au cadre bâti existant. Une fois entrée en vigueur, cette modification de zonage annulera les résolutions 660-2009 et 464-2014, lesquels autorisaient des projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour ce secteur, considérant que les usages deviendront conformes au règlement de zonage. Dans le fond, ces bâtiments-là sont déjà bâtis. Ça avait été fait dans le cadre d'un PPC-moi. Mais là, la problématique que ça amenait, les gens qui voulaient, mettons, construire un cabanon, bien, ils ne pouvaient pas le faire. Fait que là, on vient normaliser ça parce que, dans le fond, c'était peut-être trop sévère à l'époque. Fait qu'on peut le permettre de cette façon-là. Le point 10, ajouter les usages d'usines de traitement des eaux et d'équipements, bassins et stations de pompage et équipements reliés au réseau public à l'intérieur de la zone forestière 3FO, située dans le secteur ouest, partie sud, plus précisément dans le prolongement de la rue Jacques-Antanas, entre l'autoroute 20 et 85, afin d'assurer la pérennité du développement dans les zones 13CB et 41RA. Fait que ça, c'est vraiment par rapport au projet qu'on fait dans l'entrée ouest. Il y aura une partie là, qu'on va être obligé de se mettre, si on veut, une petite usine de traitement des eaux là-bas. Le point 11, ajouter des usages vétérinaires, hôpital vétérinaire, services de garde pour animaux domestiques, ainsi que services de toilettage d'animaux domestiques à l'intérieur de la zone commerciale 13CB, située dans le secteur ouest, partie sud. Cette modification de zonage permettrait l'éventuelle construction d'une SPA. Le point 12, modifier les spécifications applicables à la zone industrielle 6CD, située sur la rue Hainaut, afin de permettre une hauteur minimale de 3 mètres. Cette modification de zonage permettra la construction de mini-entrepôts pour en faire la location au 90 rue Hainaut. Le point 13, abroger l'article 5.2.12 relatif aux exemptions des marges avant sur la rue Lafontaine dans les zones 3MA, 5MA, 1MB, 2MB, 3MB, 6MA et 7MA. Cette abrogation est requise dans cet article parce qu'elle rentre en contradiction avec les normes relatives aux marges de recul avant prévues au gré de spécifications. Dans le fond, là, c'est tout ce qu'il y a sur la rue Lafontaine. À un moment donné, les marges de recul, puis ces choses-là, on n'a comme pas le choix de les gérer autrement. En 14, ajouter à l'article 13.4 des dispositions permettant l'agrandissement d'un seul tambour de 5 mètres carrés pour les maisons mobiles. Présentement, les maisons mobiles ne pouvaient pas faire des agrandissements, mais on veut permettre des agrandissements par un tambour intérieur là, qui pourrait être fait pour que les gens puissent faire un petit agrandissement de 5 mètres carrés. Le point 15, ajouter à l'article 7.1.2 des dispositions autorisant en cours avant d'un lot d'angle des thermopompes murales sous certaines conditions. Là, ça vient, des fois, c'est des terrains qui sont en angle parce que présentement, les thermopompes ne sont pas permis sur un devant de maison, ce qui est en cours avant. Mais par contre, il y a des gens qui restent sur des coins de rue, donc on voit le côté, on voit le devant, puis même des fois, on voit le derrière. Fait que là, on peut le permettre à ces conditions-là. En 16, abroger et remplacer l'article 11.3C concernant l'affichage dans les vitrines pour permettre sans limitation de superficie l'affichage semi-transparent dans les vitrines. Par contre, les logos et écritures sont limités à 30 % dans la surface vitrée. On en retrouve beaucoup en ville. Des fois, les gens, ils vont se mettre des plastiques dans les vitres, si on veut, mais on veut pas, si c'est transparent, qu'on est capable de voir de l'intérieur vers l'extérieur, c'est correct, mais au niveau du lettrage, on parle de 30 % et non 100 % Au niveau point 17, permettre l'éclairage translucide à l'intérieur de l'enseigne dans la zone 6IA, située au 212 rue Témiscouata. Ça, c'est une enseigne pour Protec Hydraulique. Le point 18, permettre les enseignes posées à plat sous certaines conditions sur les bâtiments dans la zone 5IA, zone qui correspond au campus de Premier Tech. Dans le fond, ça va être pour le projet IFA.
En 19, autoriser l'implantation de terrasses et de patios non couverts à 0 mètre d'une ligne latérale dans la zone 2MB située sur la rue La Fontaine. Dans le fond, c'est les terrasses qu'on fait déjà sur la rue La Fontaine. En 20, autoriser en fonction des usages et sous certaines conditions les installations d'alimentation électrique de secours. On parle vraiment de génératrices d'urgence dans la cour avant lorsqu'il est impossible de la localiser dans les cours latérales et arrière. En 21, enlever à l'article 10.2.5 l'exigence minimum des cases de stationnement pour l'usage 32F, service de soutien communautaire ou privé sans hébergement. Le projet de règlement 21-24 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit celle présente dans les articles 2 à 16 et 20 à 22. Si vous désirez consulter le document, vous pouvez vous présenter sur rendez-vous au service du développement territorial à l'Hôtel de Ville, au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue Hôtel de Ville, sur les heures ordinaires de bureau. J'invite maintenant au micro les personnes qui auraient des commentaires ou des questions sur le projet de règlement. La parole est à vous. Bonsoir, Diane Gagnon, 21 Saint-Louis, Rivière-du-Loup. Moi, c'était concernant les modifications de zonage. Là, il y a un terrain qui appartient au, ben, pour le projet Medway, okay. qui touche la portion qui touche la rivière. Là. Oui, c'est dans le début, bon, les articles. Je pense que c'est la ville qui va avoir ce bout de terrain-là. Ouais, oui, en grande partie. C'est le petit bout en rond là, qu'on voit. C'est ouais. Ça, hein? Bon, mais je voulais savoir à quoi il va servir ce petit coin-là. Pourquoi la ville va avoir ce coin-là? Bien, dans le fond, on veut le laisser comme espace vert. C'est ça, c'est pour le protéger en même temps. OK. Hmm? Est-ce qu'il va y avoir des aménagements à cet endroit-là? C'est pas prévu à court terme. Ça va dépendre du budget qu'on a. Puis à moi, s'il y a du budget, qu'est-ce qui est prévu? Bien, en tout cas, à date, on n'en a pas parlé. Honnêtement, là, tu sais, nous autres, on voulait pérenniser ce secteur-là, une zone de conservation, mais il n'est pas prévu de faire rien, là. Pour le moment, là, c'est clair qu'il n'y a pas rien de prévu. OK. Merci. Ça marche. Je voudrais savoir si on parle bien de la même chose où je peux être à côté de la traque. Là. Sur le 3PA, c'est-tu le terrain à Medway, ça, qui apparaît là, la partie verte? Le 3PA, c'est le parc des Chutes. Oui, c'est le secteur du parc des Chutes. C'est tout le territoire du parc des Chutes, le 3PA, la zone 3PA, qu'on a grandi. Attendez-moi une minute. Oui. OK, mais ça, qu'est-ce que vous m'avez montré là? Oui, on voit la différence, là, tu sais, si... où est-ce que M. Lagacé avait mis son crayon? Ça, c'est le avant? L'après. Ça, c'est l'après? Ça, c'est OK, on voit, là, la petite pointe, là. La pointe? Oui. Mais c'est pas ça que Medway vous a cédé à la ville? Oui. C'est ça, hein? Oui, dans ce secteur-là. Vous n'avez pas payé pour ça, là? Non. C'est ça, là? Hein? Non. OK. Non, c'est ça, là, qui... Parce que présentement, il n'était pas comme... Là, on veut l'intégrer au secteur du parc des Chutes. Mais qu'est-ce que je comprends pas? C'est la rivière apparaît pas là-dessus? Ouais, comme... Ouais, OK, c'est ce petit tracé-là. Ouais. OK. Je sais pas si ça peut concerner au point 8, au niveau de... Meuble Poitron. Oui. Je sais pas si je peux en parler, là. De... Bien, c'est par rapport à cette modification-là. Oui, c'est ça. Bien, si ça a rapport avec ça. Qu'est-ce que je comprends pas? J'ai toujours pensé que Meuble Poitron avait quand même un droit de vendre des électroménagers dans ça, non? Bien, dans le fond, ils ont fait la demande, mais là, vu qu'on le pose dans le train sémestriel, c'est sûr qu'ils ont occupé... je veux dire, il était peut-être pas tout à fait conforme là, quand ils ont commencé à vendre, mais la demande était déposée. Non, je là. Pensais que ouais. Ça l'était. Là, ça. Non. Bon, voulez-vous regarder, M. Vassy, oui. Au point 11, l'SPCA. Oui. Voulez-vous regarder la boule grossie, là? Bon. Vous voulez dire? Fait que là, vous dites dans ce que vous avez parlé, là. Bon, ben là, vous voudriez qu'il y ait des du personnel, OK, au niveau de vétérinaire, ces choses-là. Là.
Ouais, c'est pas nous qui veut ça. C'est que dans le fond, on le met au complet parce que c'est sûr que ça peut. Il va sûrement avoir un vétérinaire qui va être là. T'sais, dans une SPA, il y a ça. Après ça, s'il y a un volet qu'à un moment donné, ils veulent faire du toilettage, bien, il sera déjà permis. Service de garde, s'ils veulent garder des animaux aussi. Mais dans le plan d'affaires présentement, ce qu'ils nous ont parlé, il n'y avait pas ça. Là. OK. Mais c'est parce que je comprends pas, là. Ça revient à ce que je vous disais l'autre jour, là. OK, bon, on demande des extensions puis tout ça, là. Mais jusqu'à date, là, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu de rencontre publique d'information là-dessus, là. Non, non, bien, ça sera les promoteurs à le faire. Nous, ils ont fait des demandes, là. Ça fait déjà un bout qu'ils le font, là. Oh. Et on va-tu faire la réunion à Ville-des-Gilles ou à Notre-Dame? Hein? Ou au Kamouraska ou au Dimbass? Bien là, je sais pas. Là, je sais qu'ils ont le projet. Ils ont fait une demande de modification. C'est ce qu'on traite. Après ça, dans la construction, c'est pas la ville qui va se mêler de ça, c'est bien évident. Non, non, mais comme on voit là, les portes sont pas fermées de votre part, là? Non, non, non. Ben non, ben c'est sûr que si on a un SPA à Rivière-du-Loup, on pourra pas être contre ça. Ça fait des années qu'on en veut une. Non, non, on parle de Rivière-du-Loup, là. Oui. Bien, c'est pas la ville, ça va être la MRC. Oui. Mm-hmm. Au niveau 16? Oui. Voulez-vous me confirmer exactement là, dans qu'est-ce qui était bon. Là-dessus? Là? Je vais essayer ça. Puis dans le pire, Éric, tu m'aideras. Là. C'est qu'il y a des commerces présentement. Je vais vous donner un exemple. Sur la rue Témiscouata, c'est les Mascoutins. Là. Eux, ils ont placardé le vitrine. Bon, ils ont fait ça de bonne foi. Ils n'avaient pas demandé s'ils pouvaient le faire ou pas. Fait qu'à un moment donné, bien, il y a eu comme une plainte. Là, des gens qui ont dit, bien, regarde, allez voir ça. L'inspecteur est allé. Puis effectivement, bien, ça prenait trop de place. Là, ce qu'on veut faire, c'est alléger ça un peu pour donner la chance. Oui, on peut mettre, parce que des fois, c'est pour ça bloque le soleil aussi. On a juste à regarder chez Maxi, il y a ça. À SAQ, il y a ça. Il y a plusieurs places qu'ils n'ont en ville, mais on ne voulait pas que les écritures soient trop grosses non plus, puis qu'ils viennent prendre plus que 30 % de la vitrine. Mais là, les gens vont pouvoir mettre un coroplace pareil. Là, je ne sais pas c'est quoi comment est-ce qu'on l'appelle exactement, le matériel qui est là. Mais quand on est à l'intérieur du bâtiment, on voit bien à l'extérieur, mais c'est quand on est dehors qu'on ne voit pas bien en dedans. Fait que ça, c'est pour eux, ça va venir répondre à un besoin qu'ils ont, puis ça va répondre à des besoins déjà qu'il y a dans la ville, mais qui n'étaient pas encadrés. Mais si on compare ça, je me souviens jamais du... Je suis pas un consommateur de potes, ça fait que... Ouais, est-ce que vous connaissez? Le succursale, OK. Oui. Bon, le SQDC. Oui, c'est ça, merci. À partir de là, eux autres, là, c'est complètement opaque. Bien là, il y aura des discussions à aller voir, je sais pas, là, c'est Éric... Non, non, mais vous comprenez l'idée. Oui, oui, ouais, mais... C'est parce que là... Je sais pas c'est quoi la... Bien, eux autres, là, vu que c'est... Je sais pas s'il y a de quoi de spécial pour un SQDC, là. Les autres sont obligés... Ça n'est pas visible à l'intérieur, mais... Non, mais obligé, ça, c'est bien beau, là. Mais est-ce que c'est permis ou pas? Pas pareil, là. Mais oh, autres, c'est... Parce que moi, personnellement, là, je trouve pas ça beau, là. Eux autres, c'est teinté, là. C'est ça, il y a des fenêtres opaques, là. Mais dans le fond, ce qu'on couvre, là... Mais est-ce que les fenêtres le fond, opaques... Est-ce que c'est permis au règlement? Les fenêtres teintées, il n'y a rien qui empêche de teinter ces vitres. Là, ce qu'on couvre... On parle d'affichage, c'est le genre d'affichage qu'on met dans les vitrines, là, avec des pellicules semi-transparentes. Et là-bas, c'est pas une pellicule qu'il y a là-dessus? Eux autres, c'est des fenêtres teintées, là, de mémoire. Ben, teintées, je vais vous dire une chose, c'est plutôt opaque que d'autres choses. Là. De toute manière, la SQDC sont obligés, là, que ça ne soit pas visible de l'intérieur. Oui, mais même s'ils sont obligés, si c'est pas permis dans le règlement, lesquels qui est le plus fort? Bien, généralement, le gouvernement est plus fort que nous autres, là. Non, 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 mais écoutez... Bien, c'est eux autres qui disent qu'on s'installe comme ça. Les villes et les petites municipalités, c'est des petits royaumes, là. Fait qu'ils... Mais eux autres, tu sais, dans le cas, je sais pas ailleurs au Québec, mais je pense qu'effectivement, il faut pas que de l'extérieur que tu puisses voir les produits à l'intérieur. Oui, c'est ça. Tu sais, fait qu'eux autres... On parle pas de la même chose, là. Ouais. Là, c'est plus de l'affichage des vitrines, là, qu'on parle. Oui. Parce que vous allez prendre comme l'affichage d'un vitrine, c'est parce que quand tu es en dedans, même s'il y a du lettrage, tu vois dehors. Tout à fait. Oui. Oh, c'est ce que je disais. En même temps, ouais. Ça contrôle aussi là, pour la chaleur, la luminosité. Non, non, surtout c'est fait, OK, surtout pour un magasin qui est complètement au soleil ou pour empêcher le linge. Là. C'est de la pub en même temps. Là, OK, parce que là, le linge changeait de couleur. Mm-hmm.
Ce qu'on voulait faire là-dedans, c'était de limiter les logos puis l'écriture, dans le fond, là, avec un 30 %. Un 30 %? Donc, tu peux mettre des pellicules à 100 %, mais tu es limité dans ton affichage là, commercial. Par fenêtre ou global? Total. Total? Oui. Ça veut dire que l'affichage ne sera pas gros? Ben, 30 %, c'est quand même grand, là. Oui. OK. Ça faisait-tu le tour avec ça? Oui, ça serait pas mal, mais il semble qu'il m'en manque une, là, mais... quand vous parlez, OK, de l'entrée ouest... Oui. OK, je sais pas, ça doit être dans cette partie-là, certain. Parce que je ne l'ai pas souligné. C'est l'organisme qui veut faire des loyers... Non, c'est pas... Ouest-Sud, mettons, qu'on a parlé là-dedans, ce qui est en arrière de l'hôtel universel, c'est dans ce secteur-là. Là, on t'a préféré vous voulez dire où que l'SPCA veut... Oui, c'est ça, dans ce secteur-là. Puis, c'était quoi qui était... C'est quoi qui était demandé, un rajout de... Ah, c'est pour les... c'est pour permettre, t'en as un petit peu, là, je me suis... Ah, c'est... Ouais. Oui. Ça, c'est autour de la zone 13CB, là, en dehors du périmètre urbain, qui est en zone blanche, là, quand même. Mais dans le fond, c'est pour permettre de mettre les équipements comme les bassins de rétention d'eau pluviale, okay. Par exemple. La seule affaire qui m'a surpris dans la présentation, là, touchant toutes ces patentes-là... Bon, au début, OK, on a montré Où c'était situé. Puis là, à un moment donné, là, ouf, non, plus... Bien, c'est sûr que des fois, on avait des adresses, puis quand on avait des adresses, bien, j'étais capable de vous le mettre en complément aussi, là. Non, mais vous admettez que quand que c'est présenté, ça aide à se situer un peu. Bien, c'est sûr. Oh, oui, écoute. Vous allez prendre comme ça rue Bellevue. J'ai essayé de comprendre, là, puis j'ai pas... Oui, c'est... Parce qu'il y en a été question deux fois, là. Je sais pas si vous pouvez me le réexpliquer, là. Dans le fond, M. Plante, quand on présente des plans, c'est qu'on modifie le parcours des zones. Alors que les autres, c'est qu'on change des usages permis dans la zone, autre, mais sans changer les limites. C'est ça, la différence. Ouais, mais si vous avez remarqué, qu'est-ce que j'ai dit, M. Lagacé? Mm-hmm. Moi, je vous ai dit, OK, que partir de ça, au niveau de la rue Bellevue, ouais. J'ai pas été capable de me situer, là. Ouais. Bien, c'est un bâtiment qui est sur la rue Bellevue, près de la côte Saint-Jacques, là. Tu sais, c'est un bâtiment qui était à 3, qui est un 4, c'est ça. Puis dans le fond, c'est pour permettre, la personne va faire le stationnement qu'il faut, puis elle va tout s'aménager. Dans le fond, il y a une possibilité de faire un... Autrement dit, si je comprends bien, au point de départ, c'était bon pour 3 logements? Oui. Il y en a 4? Oui. Et ça fait du montage de main? Hey, bonne question. OK, non, pas de trouble. Là, c'est juste de rajouter un stationnement? Oui, entre autres, il y a le stationnement, puis il y a de conformer, il va avoir des plans, il faut qu'il dépose des plans. Ouais. Ouais. Et pourquoi que, moi, que ça c'est permis ou pas, j'ai pas de trouble avec ça, je me souviens plus, l'autre monsieur, là, qui est à Rivière-du-Loup, là, qui avait fait des logements, Il traînait en cours, il n'a pas eu moyen de l'accommoder, lui? Oui, là, c'est parce que lui, il partait de 4 puis il tombait à 7, là. OK. Puis il y avait une processus de consultation. La ville avait adopté des projets de règlement. C'est les citoyens qui l'ont bloqué, c'est pas la ville. Non. C'est parce que la ville a voté qui ont décidé que ça passait pas. Non. Mais vous comprenez, là, c'est parce que là, on parlait d'un 3 puis d'un 4. Là. Il y a des fois, quand on se fait présenter ça, là, on se pose des questions, là. C'est normal, moi, là, qu'il n'y ait un stationnement de plus, moi, là. Mais il y a des fois qu'on dirait qu'à la ville, là, ça parle des deux côtés de la bouche. T'as fait attention. Ça te prend les deux oreilles. Merci. Ça marche. Oui. Bonsoir, Daniel Levasseur. Oui. Concernant le fameux article sur rue Léveillé, 21-23, là. Le deuxième article, 21-23, rue Léveillé, là. Depuis 1970, cette bâtisse-là est debout. C'était un monsieur Chartier, ça fait 4 ans, il était là. Passons là-dessus. J'ai autre chose. L'article 8 ou l'article 9, je comprends pas. Vous dites la rue Léveillé? Excusez, la rue Bellevue. OK, c'est beau. Ça marche. Bon, l'article 8 ou l'article 9, moi, je me dis, ça n'a pas l'air à fonctionner. Concernant les usages pour meubles poitras. Oui. Ça, c'est 8 ou 9 sur votre chose de l'article sur c'est 8.
8, OK, ça va. Oui. Comment se fait-il que ça passe aujourd'hui, puis ça fait déjà au moins 3 mois qu'il est en vigueur? Bien, c'est comme je disais tantôt, c'est que dans le fond, ils ont fait une demande, mais c'est le train semestriel, on le passait à soir. Là. Il aurait fallu qu'il ferme pendant 3-4 mois de temps. Tu sais, ils ont occupé le bâtiment, mais je veux dire, ils ont fait la demande, mais là, on arrive là. Ce qui veut dire qu'ils auraient pu le demander avant, puis payer? Bien, possiblement. Là, écoutez, moi, je travaille pas à l'urbaniste. Là, je ne sais pas comment ça marche d'habitude. Là. Honnêtement, là, je peux pas vous répondre, M. Levasseur. Merci. Fait que ça faisait le tour avec ça. C'est bon. Fait que il convient à ce moment d'expliquer la suite des procédures. Puisque ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire des articles qui peuvent faire l'objet d'une contestation, la loi prévoit la publication d'un avis invitant les personnes habiles à voter des zones admissibles à déposer, si elles le désirent, une demande qui vise à ce que le règlement soit soumis à leur approbation. Cet avis publié dans le journal sera publié dans le journal de l'Info dimanche le 22 mars prochain et la date limite pour déposer une demande est le 30 mars à 16h30. Lors de la séance du conseil municipal du 3 avril 2023, le conseil municipal se prononcera sur la suite selon qu'il y ait ou non des demandes de déposer. Concernant la procédure de dépôt de demande, je vous invite à contacter le greffier adjoint, Maître Marc-Antoine Rioux, notaire, pour les détails techniques au service du greffe et des affaires juridiques. Le point 8... 6, excusez. Déclaration du greffier intérimaire et adoption du règlement 2128, amendant le règlement 2098 concernant la circulation et le stationnement. Alors, je déclare que l'adoption du règlement 2128 vise à modifier le règlement 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement. Cet amendement vise principalement à définir le terme « opération déneigement » et à uniformiser partout la graphie du terme. Il modifie l'heure de fermeture du stationnement situé à l'est de la Côte-des-Bains afin de la porter à 23 heures les jeudis, vendredis et samedis entre le 1er mai et le 30 novembre. Il décrète également une nouvelle zone où le stationnement est interdit sur la rue Alexandre, soit du côté ouest le long des numéros civiques 7 rue Témiscouata et 12-14 rue Alexandre. Finalement, il uniformise la rédaction de certains termes pour en faciliter la compréhension. Cette adoption a été précédée par un dépôt de projet le 13 février dernier et un avis de motion a été donné au cours de la même séance par la conseillère Chantal Amstad. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 88-867-6715 ou par courriel au greffe@commercialvillerdl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce conseil juge opportun de modifier certaines dispositions du règlement numéro 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement. Attendu les articles 4, 6, 79 et suivants de la loi sur les compétences municipales, recueil des lois et règlements du Québec, chapitre 47.1, qui permettent à la Ville de prévoir toute prohibition en matière de sécurité, de stationnement et de nuisance. Attendu que l'adoption du présent règlement ait été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 13 février 2023 et qu'un avis de motion ait été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement numéro 2128 du 27 février 2023, amendant le règlement numéro 2098 du 24 mai 2022 concernant le stationnement, la circulation et le stationnement. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage, puis. C'est adopté. Merci. Point 7, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 166-168 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 7 février 2023, M. Bruno Ouellet, propriétaire du bâtiment situé au 166-168 rue La Fontaine, présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisé à procéder à la réfection de l'enveloppe extérieure de l'immeuble. Attendu qu'en date du 14 février 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter le plan d'architecte déposé. Puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatives à la restauration, la rénovation ou la réparation des bâtiments existants,
Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif du 14 février 2023, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Bruno Ouellette concernant la réfection de l'enveloppe extérieure de l'immeuble situé au 166-168 rue La Fontaine. Nelson Lepage propose. Carl Thériault seconde, appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est le bâtiment qui est tout près ici. Là. C'est le commerce que Métronomie, qui est ici en face de chez Marc-André Rioux. Le point 8, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 386 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 2 février 2023, le représentant de la compagnie Maniac Branché présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin qu'il soit autorisé à réaliser de l'affichage par une enseigne projective au 386 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 14 février 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relative à l'affichage. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 14 février 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Éric Dorval concernant l'affichage par une enseigne projective sur le bâtiment situé au 386 rue La Fontaine. Nelson Lepage propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Point 9. Acceptation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 232 rue Témiscouata. Attendu qu'en date du 8 février 2023, la représentante de la compagnie Aspirateur 116 présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisée à remplacer des panneaux de l'enseigne sur structure indépendante au 232 rue Témiscouata. Attendu qu'en date du 14 février 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 2081 relative à l'affichage. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 14 février 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par Mme Laurie Pelletier concernant le remplacement des panneaux de l'enseigne sur structure indépendante au 232 rue Témiscouata. Édith Samson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 10, acceptation de soustraire un immeuble à l'obligation d'aménager trois cases de stationnement. Attendu qu'en date du 14 février 2023, M. Jonathan Michaud, mandaté par la compagnie 9336-9569 Québec Inc., propriétaire du 114 Chemin des Raymonds, présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande afin d'être exempté d'aménager trois cases de stationnement pour son futur immeuble. Attendu que l'article 10.2.2 du règlement de zonage 1253 permet au conseil d'exempter un propriétaire de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement, moyennant le paiement d'une somme de 2 000 $ par emplacement. Attendu que le 14 février 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'approuver la demande, étant donné que plusieurs des futurs locataires de l'hôtel pour travailleurs se déplaceront à pied ou en vélo. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil accepte de soustraire l'immeuble situé au 114 Chemin des Raymonds à l'obligation d'aménager trois cases de stationnement conditionnellement au paiement d'une somme de 6 000 $ pour les trois espaces de stationnement manquants, à l'obligation de prévoir l'aménagement de dispositifs extérieurs pour ranger les vélos. Le tout devra également à être fait dans le respect de toute autre exigence prévue à la réglementation municipale en vigueur. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 11, acceptation de soustraire un immeuble à l'obligation de payer une compensation pour l'exemption d'une case de stationnement. Attendu qu'en date du 14 février 2023, M. Dave Boulian, propriétaire de l'immeuble situé au 6-8 rue Iberville présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande visant l'exemption d'une case de stationnement pour son immeuble. Attendu que l'article 10.2.2b du règlement de zonage 1253 permet au conseil d'exempter un propriétaire de l'obligation de payer une compensation si des cases de stationnement supplémentaires peuvent être aménagées dans l'emprise de la rue en raison de la réduction de la largeur des entrées chartières sur le terrain du demandeur.
attendu que le 14 février 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'approuver la demande pour l'immeuble au 6-8 rue Iberville, attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil accepte de soustraire l'immeuble situé au 6-8 rue Iberville à l'obligation de payer une compensation d'une case de stationnement, considérant la réduction de la largeur de son entrée charretière et de la possibilité d'aménager une case supplémentaire dans l'emprise publique, conditionnellement au respect de toute autre exigence prévue à la réglementation municipale en vigueur. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 12, confirmation d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour le 160 rue La Fontaine. Attendu qu'une demande de subvention ait été déposée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, mise en place par le ministère de la Culture et des Communications et adoptée par la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup par son règlement numéro 274-21 du 20 janvier 2022, pour lequel une enveloppe budgétaire de 250 000 $ a été allouée pour les années 2022, 2023 et 2024. Attendu qu'en date du 14 février 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil, dans le respect des critères contenus au règlement, l'octroi d'une subvention pour le projet de remplacement de 7 fenêtres à battants en bois avec 6 carreaux peints de couleur blanche sur le bâtiment situé au 160 rue La Fontaine. Attendu que les travaux de remplacement des fenêtres en bois respectent les critères du règlement 1260-2 du 10 octobre 2000 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville de Rivière-du-Loup. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 14 février 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et de la conformité aux critères contenus au règlement 1260-2 et du programme et de l'entente de fourniture de services intervenue avec la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme d'aide à la restauration en vertu du règlement 274-21 de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, autorise le service du développement territorial à délivrer le permis pour des travaux de restauration susdits mentionnés, accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale dûment déposé, confirme l'octroi d'une aide financière de 50 000 $ à Mme Caroline Saint-Pierre pour l'immeuble situé au 160 rue La Fontaine afin de remplacer 7 fenêtres à battants en bois avec 6 carreaux peints de couleur blanche. Édith Samson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 13, confirmation d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour le 319 rue Fraser. Attendu qu'une demande de subvention ait été déposée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup par son règlement 274-21 du 20 janvier 2022 pour lequel une enveloppe budgétaire de 250 000 $ a été allouée pour les années 2022, 2023 et 2024. Attendu qu'en date du 24 janvier 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil, dans le respect des critères contenus au règlement 274-21, l'octroi d'une subvention pour le projet de remplacement de la porte de la façade principale par une porte en bois à carreaux avec baie latérale et l'ajout de 4 moustiquaires dans les fenêtres à battants au 319 rue Fraser. Attendu que les travaux de remplacement de la porte et des moustiquaires respectent les critères du règlement 1387 du 8 septembre 2003, constituant un site du patrimoine dans le secteur du Vieux-Saint-Patrice. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 24 janvier 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et en conformité avec les critères du règlement 1387 du 8 septembre 2003, constituant un site du patrimoine dans le secteur du Vieux-Saint-Patrice, autorise le service du développement territorial à délivrer le permis pour les travaux de restauration susdits. Que sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et en conformité des critères contenus dans le programme et à l'entente de fourniture de services intervenue avec la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme d'aide à la restauration en vertu du règlement numéro 274-21 de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup confirme l'octroi de l'aide financière suivante. Donc, à M. Sébastien Simard du 319 rue Fraser pour le remplacement de la porte de la façade principale par une porte en bois avec carreaux avec baie latérale et ajout de 4 moustiquaires pour les fenêtres à battants d'une somme de 9 397 $. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 14, approbation d'un contrat d'acquisition de bandes de terrain sur le boulevard de l'Hôtel de Ville.
Il est proposé et appuyé que ce conseil approuve le projet de contrat annexé à la résolution concernant l'achat de, par la Ville de Immobilière Canadian Tire Limited du lot 6 450 464 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, la cession à titre gratuit par immeuble Tanguay incorporé du lot 6 450 460 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, et autorise le maire et le greffier, ou à son défaut le greffier adjoint, à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci, que cette résolution abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 520-2022 du 14 novembre 2022 sur le même sujet. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, on avait passé ça, là. C'est ça, c'était en novembre. Puis dans le fond, là, ça, on vient concrétiser le fait qu'on autorise le greffier adjoint et le maire à signer l'entente. Puis pour Canadian Tower, on achetait la partie de terrain pour 5 500 tandis que Tanguay, lui, c'était gratuit. Le point 15, autorisation à réaliser une opération cadastrale. Il est proposé et appuyé que ce conseil autorise la réalisation d'une opération cadastrale à même le lot 5 111 781 secteur entrée ouest afin de procéder à la création du lot 6 565 665 d'une superficie de 5 129,4 mètres carrés et autorise le greffier et le greffier adjoint ou le greffier adjoint à signer les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. Monsieur le maire, il y a une petite erreur là-dedans. Ça va être le maire et le greffier. Ouais. Ou le greffier, là. Fait que je vais faire la correction puis aviser là, au service du greffe demain. Ça marche. Dans le fond, ça, c'est pour le projet Anne Logement dans l'entrée ouest. Ouest-nord, mais complètement au bout de la plaque, là, à l'ouest, comme j'avais dit, là, pas loin de l'entrée pour se rendre au dépanneur, là, Gaspard-Saint-Patrice. Merci. Bon, le point 16, approbation d'entente de partenariat à intervenir avec l'Harmonie de Rivière-du-Loup incorporée et la Maison de la famille du Grand Portage. Attendu que l'utilisation du pavillon Adrien Girard par des organismes à but non lucratif permet de répondre à des besoins du milieu en matière communautaire, attendu qu'il y a lieu de mettre par écrit les conditions de partenariat relatives à l'utilisation du pavillon. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil approuve les ententes de partenariat annexées à la résolution à intervenir avec l'Harmonie de Rivière-du-Loup incorporée et la Maison de la famille du Grand Portage et autorise le maire et le directeur du service des loisirs, culture et communautaires à signer les dites ententes pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Samson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, pavillon Adrien Girard, pour vous situer aussi, 70 rue Frontenac. Là, c'est pas tellement loin du stade de la Cité des Jeunes. Le point 17, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club d'athlétisme et de course à pied Filou de Rivière-du-Loup. Attendu la tenue le 8 juillet 2023 du Tour de la Pointe sur le territoire de la Ville, attendu qu'il y ait lieu de prendre certains arrangements avec le club organisant cette activité pour notamment assurer la sécurité des coureurs, attendu que le paragraphe 5 du second alinéa de l'article 73 de la Loi sur les véhicules hors route, recueil des lois et règlements du Québec, chapitre V-1.3, prévoit que de tels véhicules peuvent être autorisés à circuler sur un chemin public lorsque la circulation routière est interrompue en raison d'un événement exceptionnel, attendu qu'il y a également lieu d'autoriser la circulation de véhicules tout-terrain sur les rues Mackay et Hayward pour assurer la sécurité des coureurs. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le club d'athlétisme et de course à pied Filou de Rivière-du-Loup pour la présentation d'une compétition de course à pied de 1, 3, 5 et 10 km. Le samedi 8 juillet 2023 au Parc de la Pointe de Rivière-du-Loup, il autorise le maire et le directeur du service des loisirs, culture et communautaires à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Que les membres du club L'Escouade à circuler sur les rues Mackay et Hayward avec leurs véhicules tout-terrain pendant l'événement dans le but d'en assurer la sécurité. Que cette autorisation soit assujettie à toutes conditions spécifiques que pourrait requérir le service technique et de l'environnement de la Ville, conformément aux lois et règlements applicables. Que l'autorisation donnée pour la circulation sur la rue Hayward soit sujette à confirmation par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, pour autant que telle confirmation soit requise. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 18, confirmation d'une permanence au poste d'inspecteur des bâtiments et en environnement.
Attendu que la période de probation de M. Gaston Lamarre arrive à l'échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le directeur du service du développement territorial démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste d'inspecteur des bâtiments et en environnement, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de sa fonction et de ses responsabilités, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sur la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Gaston Lamarre au poste d'inspecteur des bâtiments et en environnement du service du développement territorial à compter du 6 mars 2023, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup, FISA. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, le poste d'inspecteur, c'est une classe 3, ici à la Ville de Rivière-du-Loup, qui comporte 8 échelons, qui se répartissent de 27,70 $ à 38,46 $. Le point 19, demande de renouvellement d'une reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée aux 60 rue Iberville. Attendu que la Commission municipale du Québec a émis en date du 10 octobre 2013 une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières au centre résiduel communautaire Arc-en-Soie incorporé pour l'activité exercée au 60 rue Iberville. Attendu que l'organisme demande à la Commission municipale du Québec de renouveler cette reconnaissance conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, dossier numéro Commission municipale du Québec 60-116. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil laisse le soin à la Commission municipale du Québec de valider de l'admissibilité de la demande de renouvellement de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières du centre résidentiel communautaire Arc-en-Soie incorporé pour l'activité exercée au 60 rue Iberville et désigne la greffière adjointe, maître Mathilde Asselin-Van-Coppenol, avocate, afin de représenter les intérêts de la Ville si une audition devait se tenir devant la Commission municipale du Québec. Carl Thériault propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Vous comprendrez que c'est un renouvellement. Hein? Ça avait été permis en date du 10 octobre 2013. Fait qu'à tous les 10 ans, il faut qu'ils renouvellent leur demande. Fait que ça va être la même chose pour le point suivant, le point 20. Demande de renouvellement d'une reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée au 465 rue Saint-Pierre. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de la demande de renouvellement de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières déposée auprès de la Commission municipale du Québec par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent incorporé, dossier numéro CMQ 64-719-001, pour l'activité réalisée au 465 rue Saint-Pierre, conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil laisse le soin à la Commission municipale du Québec de décider de l'admissibilité de la demande de renouvellement de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières déposées par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent incorporé pour l'activité réalisée au 465 rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup et désigne la greffière adjointe, maître Mathilde Asselin-Van-Coppenol, avocate, afin de représenter les intérêts de la Ville si une audition devait se tenir devant la Commission municipale du Québec. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 21. Désignation de signataire auprès de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. Attendu la récente nomination de Mme France Bélanger à titre de trésorière adjointe. Attendu que, suivant cette nomination, il y a lieu de faire certains ajustements auprès de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil nomme le maire, M. Mario Bastille, le trésorier, M. Jacques Moreau, et la trésorière adjointe, Mme France Bélanger, titre de signataire pour tous les comptes de la Ville de Rivière-du-Loup auprès de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. Que cette résolution modifie et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 500-2021 du 13 décembre 2021 sur le même sujet. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 22. Désignation d'administrateurs principaux aux fins d'utilisation du service Accéder à faire. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a déjà adhéré au service Accéder à faire ainsi qu'aux services et sous-services définis au formulaire Accéder à faire dossier entreprise offert par la Caisse de Rivière-du-Loup. Attendu la nomination récente de Mme France Bélanger à titre de trésorière adjointe. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du service Finances et Trésorerie, désigne le trésorier M. Jacques Moreau et la trésorière adjointe Mme France Bélanger à titre d'administrateurs principaux aux fins d'utilisation du service Accéder et qu'ils soient investis de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
autorise le trésorier et ou la trésorière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Rivière-du-Loup toute convention accédée à faire ou tout autre document requis ou utile à cette fin, comme défini à la convention accédée à faire, dont celui d'adhérer à tout nouveau service et sous-service que la Caisse peut mettre à la disposition de la Ville et à en accepter les conditions d'utilisation dans le respect du règlement 1964 du 10 décembre 2018 décrétant certaines règles administratives et la délégation de certains pouvoirs. Autorise le trésorier ou la trésorière adjointe à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Révoque la nomination de Mme Patricia Dubé à titre d'administratrice principale pour accéder à faire. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 23. Versement de contributions financières dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires, autorise le trésorier à verser les contributions financières ciblées suivantes. Une somme de 300 $ annuellement pour les années 23, 24 et 25 à l'organisme Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup. Une somme de 100 $ annuellement pour les années 23, 24, 25 à être versée pendant le Grand Macdon à son fiduciaire, lequel événement vise le soutien d'organismes communautaires. Une somme de 895 $ et 50 sous annuellement pour les années 23, 24, 25 à être versée à l'organisme La Bouffée d'air du KRTB incorporé. Une somme de 50 $ pour l'adhésion de la Ville à l'organisme Action chômage Kamouraska incorporé pour l'année 2023. Que la gestionnaire aux équipements et programmes communautaires soit autorisée à signer les lettres d'entente et intervenir pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci lorsque requis. Édith Samson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 24. Achat d'un couvert pour le dîner conférence organisé par l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, section de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 15 $ taxes et pourboires inclus, à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, section Rivière-du-Loup, pour l'achat d'un couvert lors du dîner-conférence qui se tiendra le 22 mars 2023 à l'Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup et désigne la conseillère Édith Samson pour y représenter la Ville. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 25. Nomination d'un maire suppléant. Il est proposé et appuyé que ce conseil désigne la conseillère Mme Édith Samson à titre de mairesse suppléante pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023 et qu'elle soit désignée pour agir comme substitut du maire au sein du conseil des maires de la MRC de Rivière-du-Loup durant cette période en cas d'absence de ce dernier, de son incapacité, de son refus d'agir ou de vacance de son poste et qu'il remercie le maire suppléant sortant, M. Carl Thériault, pour sa disponibilité et sa collaboration dans l'exécution de ses fonctions au cours des quatre derniers mois. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bienvenue, Édith, puis merci beaucoup, Carl. Je pense que je n'ai pas été trop tannant. C'est pas si pire. Ça a bien été. Good. Le point 26, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé et appuyé que ce conseil, conformément aux dispositions du règlement 1222 du 13 septembre 1999, constituant le comité consultatif d'urbanisme, nomme pour siéger au sein du dit comité, représentant des citoyens résidents pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, Mme Sophia Thompson et Messieurs Peter Grant et Maxence Lenoir, représentant des citoyens résidents pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, Mme Eddie Pomerleau, représentant des gens d'affaires et citoyens résidents sous la recommandation de la Chambre de commerce de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, M. Danny Dumont, que cette résolution modifie et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 084-2022 du 21 février 2022 sur le même sujet. Édith Samson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 27, opposition au redécoupage électoral pour l'Est du Québec. Attendu que le 29 juillet 2022, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a présenté une première proposition de redécoupage. Attendu que cette proposition ferait passer l'Est du Québec de 4 à 3 circonscriptions électorales en supprimant celle d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia et en la
répartissant dans les circonscriptions limitrophes. Attendu que le 1er février 2023, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec réitérait cette proposition de redécoupage à la suite de consultations publiques pourtant largement défavorables à cette option. Attendu que cette proposition de redécoupage est inadmissible pour la ville de Rivière-du-Loup, puisqu'elle diminuerait la représentation d'une région rurale peu peuplée et la représentation effective de sa population, comme démontré dans les nombreux mémoires déposés par les élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à la Commission. En conséquence, il est proposé et appuyé que la ville de Rivière-du-Loup s'oppose au redécoupage proposé et demande le maintien intégral des circonscriptions électorales fédérales actuelles dans l'Est du Québec, que la présente résolution soit transmise au comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 28, opposition au retrait du terme Rivière-du-Loup dans la dénomination de la nouvelle circonscription électorale. Attendu l'audience publique tenue par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, ci-après la Commission, tenue à Rivière-du-Loup le 9 septembre 2022, suivant sa proposition initiale de révision de la carte électorale. Attendu l'appui indéniable de la ville de Rivière-du-Loup envers les mémoires qui ont été déposées tant par le député fédéral, M. Bernard Généreux, que par le préfet de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, M. Michel Lagacé, lesquels réclamaient à la Commission le maintien du nom Rivière-du-Loup dans la nomenclature de notre circonscription électorale. Attendu que la ville de Rivière-du-Loup a suivi de près l'évolution de ce dossier, lequel est d'un intérêt majeur pour elle. Attendu le rapport déposé à la Chambre des communes le 1er février dernier par la Commission, lequel n'accorde apparemment aucune considération aux positions présentées et défendues lors de l'audience publique en ce qui a trait au nom de la circonscription devant englober la ville et la MRC de Rivière-du-Loup. Attendu que la Commission recommande aux élus de la Chambre des communes de retirer le nom Rivière-du-Loup d'une circonscription dont la ville est la et la MRC les plus populeuses portent le même nom, malgré les avis contraires exprimés par le député actuel et le préfet. Attendu que le nom Montmagny-Témiscouata-Catascomique, comme suggéré par la Commission dans sa proposition initiale, n'avait fait apparemment l'objet d'aucune consultation préalable auprès des instances régionales concernées. Attendu que le redécoupage électoral proposé ferait en sorte que la population de cette nouvelle circonscription compterait 116 531 habitants, dont 35 314 habitants dans la seule MRC de Rivière-du-Loup. Attendu que la MRC de Rivière-du-Loup est la plus populeuse des cinq MRC de la nouvelle circonscription fédérale proposée, représentant à elle seule 30,3% de la population composante. Attendu que la principale ville de cette nouvelle circonscription proposée, Rivière-du-Loup, compte à elle seule 20 176 habitants, soit 17,3% de la population totale de la circonscription proposée. Attendu que la ville de Rivière-du-Loup célèbre cette année 350 ans d'histoire et qu'elle a expressément droit, elle aussi, à une reconnaissance dans le nom de la circonscription fédérale. Attendu la position géographique de carrefour dont jouit la ville de Rivière-du-Loup et qu'à ce titre, elle est une ville de premier plan, tant sur le plan économique que touristique. Attendu que la ville de Rivière-du-Loup est en faveur de la reconnaissance de la présence de la nation Wallastoquik, Wassipikouk, sur le territoire avec l'ajout du nom Catascomique au nom de la nouvelle circonscription proposée. Attendu que la reconnaissance et l'inclusion d'une nation ne peuvent se faire effectivement, efficacement, si elle passe par des moyens d'exclusion dont la portée en affecte une autre. En conséquence, il est proposé et appuyé que la ville de Rivière-du-Loup exige que le nom de la nouvelle circonscription proposée conserve le nom Rivière-du-Loup. Appuie la démarche du député M. Bernard Généreux dans ses interventions visant le maintien du nom Rivière-du-Loup dans le nom de la nouvelle circonscription proposée. Interpelle le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, M. Pablo Rodriguez, afin que le nom Rivière-du-Loup soit maintenu dans l'appellation de la nouvelle circonscription proposée, en reconnaissant l'importance de ce nom pour la population de l'Est du Québec qui est concernée. Sollicite l'appui de la Chambre de commerce de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup dans ce dossier. Que la présente résolution soit transmise aux députés de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, afin que celui-ci porte auprès de la Commission les intérêts régionaux relatifs au nom de la nouvelle circonscription proposée, dans le but que cette dernière revoie sa proposition initiale et conserve le nom Rivière-du-Loup dans le nom de la nouvelle circonscription proposée. Carl Thériault propose. C'est adopté.
Merci. Bien, écoutez, je pense que la résolution résume le tout de ce qu'on peut penser de ça. C'est évident que pour nous, c'est inacceptable qu'on puisse penser et même de vouloir enlever le nom de Rivière-du-Loup dans la nomenclature de la circonscription. Fait qu'on, c'est sûr qu'on veut, on travaille avec le député Bernard Généreux, mais en même temps, il lui faut des armes à déposer. Donc, c'est une résolution qui va amener. La même chose au niveau de la Chambre de commerce, je sais qu'ils travaillent avec eux là-dessus. Fait que c'est bien évident que, comme je vous disais, pour nous, on ne peut pas accepter ça. Le point 29, autorisation aux organisateurs et participants du relais à vélo Aldo Deschênes à circuler sur le territoire de la ville. Attendu que le relais à vélo Aldo Deschênes a été initié en 2016 pour amasser des fonds pour la recherche contre le cancer, attendu que l'édition 2023, qui aura lieu le 17 juin 2023, s'est fixée pour objectif financier d'amasser une somme qui s'élève à 55 000 $. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil autorise les organisateurs et participants à circuler sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup en conformité avec l'itinéraire proposé et annexé à la résolution et conditionnement à l'obtention de toutes les autorisations requises et nécessaires afin d'assurer la sécurité des cyclistes. Édith Samson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 30. Confirmation d'engagement de la Ville à prendre part au projet L'économie sociale, j'achète. Attendu que les entreprises d'économie sociale répondent aux besoins des populations locales, sont ancrées dans leur milieu et contribuent au dynamisme des communautés dans une perspective de développement durable. Attendu que les entreprises d'économie sociale sont un apport à l'activité économique et au développement social et durable par leur contribution, notamment à la création d'emplois, à la lutte contre la pauvreté, à l'inclusion, à l'égalité entre les femmes et les hommes. Attendu que les entreprises d'économie sociale maintiennent et développent l'offre de biens et services de proximité en faveur de l'attractivité, de l'occupation et de la vitalité du territoire du Bas-Saint-Laurent. Attendu que les entreprises d'économie sociale favorisent le développement de l'entrepreneuriat local, l'émergence de nouvelles structures organisationnelles et l'innovation sociale. Attendu que les institutions publiques s'engagent au sein d'un mouvement en faveur de l'achat local auprès des entreprises d'économie sociale dans le respect de leurs politiques et règles en matière d'octroi de contrats. Attendu que les institutions publiques valorisent leur ambition à s'approvisionner en biens et en services provenant de l'économie sociale auprès des instances de leur organisation et de l'écosystème local et régional. Attendu que les institutions publiques acceptent de participer à deux événements organisés par Économie sociale Bas-Saint-Laurent, soit une activité publique de lancement des partenariats et une activité de maillage en fin de projet, et d'y rencontrer les entreprises d'économie sociale de la cohorte pilote, attendu que les institutions publiques acceptent de figurer sur le site economiesocialebsl.com à titre de signataire engagé. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil reconnaisse la part socio-économique des entreprises d'économie sociale au dynamisme de la région du Bas-Saint-Laurent et accepte de participer au développement de l'achat auprès de ces entreprises. Que la Ville de Rivière-du-Loup s'engage dans le respect des lois, règlements et directives qui régissent ces achats, et ce, en fonction de ses besoins, à intégrer les biens et services provenant de l'économie sociale et à ses approvisionnements, autorise le maire à signer la déclaration d'engagement au projet pilote L'économie sociale, j'achète, dans le Bas-Saint-Laurent. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 31, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Attendu que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Attendu que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée de leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Attendu que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Attendu que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et de favoriser et à favoriser la résilience. Attendu qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le maire à proclamer verbalement la journée du 13 mars 2023, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Édith Samson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Oui, je proclame la journée du 13 mars 2023, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive à Rivière-du-Loup, et invite ses concitoyens et concitoyennes
ainsi que toutes les organisations et institutions de Rivière-du-Loup à promouvoir les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale qui se déroule sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Fait qu'on serait rendu, on ferait un petit tour de table avant la période de questions. Je commencerai par... M. Lagacé, je veux vous remercier. On avait une bonne séance de lecture à soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de lectures à faire de résolution. Ça a pratiqué les muscles de la joue. Excellent, ouais. La diction, oui. Merci. Effectivement, merci. Oui, Edith. Alors, M. le maire et membre du conseil, mais également toute la population, vous êtes au courant. C'est pour bientôt. On avait le slogan « 1, 2, 3, go ». Rivière-du-Loup 2022, tel qu'on le voit nous jouer maintenant. Et maintenant, le compte à rebours est commencé. 5, 4, 3, 2, 1. Vendredi, ce sera le lancement et l'accueil de tous les athlètes et la cérémonie d'ouverture pour les Jeux. Donc, j'invite toute la population à venir encourager les athlètes, bien sûr, du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, mais également tous les athlètes, nos jeunes de l'ensemble du Québec. Il y a vraiment beaucoup d'activités d'organiser, beaucoup de compétitions. Alors, allez voir sur le site des Jeux et vous aurez la programmation complète et c'est vraiment un coup de cœur pour nos jeunes. Je pense qu'ils en ont besoin avec tout ce qu'ils ont vécu dans les dernières années. Merci beaucoup. Bien, merci Edith. Puis effectivement, tu es beaucoup impliquée. Je sais que tu travailles fort dans ce temps-ci depuis plusieurs semaines pour les Jeux du Québec. Fait que je veux te remercier. Écoute, je sais que tu prends ça à cœur puis merci de ton travail. Bien, pour la jeunesse, hein, ouais. C'est notre futur, alors ça va de soi. Merci. C'est bon. Monsieur Nelson. Oui, bien, en fait, c'est un peu dans la même, dans la lignée d'Edith, en fait. C'est que dans le journal de la Ville, on a, ça explique tout ce qui se passe là, avec les Jeux du Québec. On a les horaires, on a les lieux où vont se faire les Jeux, en fait. Fait que j'invite la population à prendre le temps de regarder ça. Un autre point, c'est qu'on a assisté samedi soir passé à la levée de la banderole de Mario Rouillard au Centre Premier Tech. Très belle présentation qui a été faite là. Alors, je tiens encore à féliciter M. Rouillard là, pour les exploits qu'il a fait dans le passé. Alors, merci. Oui, puis moi, je veux remercier le comité de sélection. Je sais que tu es là-dessus, toi, Nelson. Il y a Daniel Saint-Pierre qui est là-dessus, Marc-Émile Dionne, Pierre Mercier, Gilbert Ouellette, puis M. Laval-Briand. Fait que je sais que vous prenez attention à ça pour faire les analyses. Fait que merci de votre contribution. Chantal. Oui, je vais aller dans la même veine que mes collègues concernant les Jeux du Québec. En fait, je veux souligner qu'on a atteint le 2000 bénévoles donc qui ont décidé de s'impliquer, de mettre l'épaule à la roue finalement pour donner un coup de pouce, permettre à ces Jeux-là de pouvoir se réaliser finalement. Donc, bien qu'on ait atteint le plateau de 2000, donc bravo et chapeau à tous ceux et celles qui se sont inscrits. N'hésitez pas à donner votre nom, que ce soit pour un petit bloc de 4 heures, si vous avez un peu de temps. Il y a toujours des petits imprévus parfois qui font en sorte que les horaires changent, qu'on a peut-être une disponibilité de plus ou de moins. Donc, je vous invite à aller vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, si vous avez un peu de temps à donner. Donc, le site Internet, je serai bénévole 2022.com. Merci. Merci, Chantal. Carl. Oui, M. le maire, membre du conseil. Moi aussi, je vais parler un peu des Jeux du Québec qui, comme vous le savez, sont consacrés essentiellement au développement des jeunes et de l'athlétisme. Sous différentes formes, mais il y a aussi, pendant nos Jeux du Québec à nous, la 56e finale, il y a un site d'animation avec différentes activités d'animation devant le Centre Premier Tech. Je veux donc inviter la population, les familles, principalement, à venir aux activités d'animation dont la programmation est détaillée, là, soit sur le site des Jeux ou sous différentes autres formes. Je donne quelques exemples. Il y a le Zumba familial, il y a du yoga familial, une glissade, des observations au microscope pour les scientifiques, des 5 à 7 thématiques. Donc, il y a de tout pour tous pour en faire une véritable fête populaire. Merci. Oui, merci, Carl. Dans le fond, ce que je veux rajouter, c'est que ce que Carl vient de dire, c'est que d'habitude, dans la semaine de relâche, la Ville fait tout le temps des activités, mais là, on s'est concentré pendant les Jeux. Fait qu'il y aura des activités sous le chapiteau, là, dans le stationnement du Centre Premier Tech, là, pour la famille et tout ce beau monde-là. Monsieur André, as-tu quelque chose? Toujours dans la même veine des Jeux. Pour ceux-là qui n'auront pas eu la chance d'avoir de billets pour la soirée d'ouverture, la cérémonie d'ouverture va être diffusée à l'avant du Centre Premier Tech sur des écrans géants. Fait que vous allez pouvoir venir assister à ça en plein air. Merci. Oui, merci. Belle observation.
Monsieur Lagacé, est-ce qu'il y avait des réponses à la dernière séance? Je pense que tout avait été répondu. Hein? C'est bon. Fait que période de questions sur l'ordre du jour. Un court préambule, votre nom puis votre question. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour à tous les conseillers. Première fois que je viens en 2023. Hey. Je me fais un petit peu plus rare, parce que c'est peut-être l'âge qui est là, non? Vous savez que je riais quand vous avez dit les Jeux du Québec. Je me souviens qu'en 1971, j'étais beaucoup plus jeune que dans le moment. Et j'avais suivi tous les Jeux du Québec avec mon fils qui avait 6 ans. Mon mari avait payé le passeport pour toute la semaine. Puis on avait passé toute la semaine aux Jeux du Québec. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. C'est probablement que ça va l'être pour les familles d'aujourd'hui aussi. Mm-hmm. En tout cas, je félicite la ville là, d'avoir produit le document qu'on a reçu. Mm-hmm. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'on sait où on s'en va avec ça. Avant de revenir sur le sujet que je veux vous parler, je tiens à féliciter M. Lagacé pour sa diction ce soir. J'ai compris de A à Z, bien entendu, tout ce qu'il avait à dire. Je ne sais pas, vous avez une très bonne diction, M. Lagacé, je suis bien vous le dire. Bon, moi, je suis venue ce soir parce que il y a 6 ans... Écoutez, madame, là, on fait les questions sur l'ordre du jour, oui. Oui, c'est sur le point de la présentation de la ville de Rivière-du-Loup pour garder le comté de Rivière-du-Loup. Okay. Et j'ai une suggestion à vous faire. Parce qu'il y a 6 ans, vous autres, vous n'étiez pas là. Et mais Mme Vignet était conseillère à ce moment-là. Il n'y a personne de vous autres qui était là. Oui. Et on avait présenté un mémoire au Palais de justice de Rivière-du-Loup. OK. Bon, parce qu'on voulait nommer le comté de Rivière-du-Loup, le comté Joseph-Elzéard Bernier. Ça, vous ne savez pas ça, vous voulez le dire. Et quand j'ai vu ça, moi, ce soleil le matin, j'ai appelé Mme Vignette, j'ai dit « Joseph-Elzéard Bernier, qu'est-ce que ça vient faire dans le comté de Rivière-du-Loup? » Elle dit « C'est qui, ça? » Joseph-Elzéard Bernier, hein, c'est un grand... capitaine historien qui a découvert tout le Nord canadien. J'ai rien contre Joseph Elzéard Bernier. Personne n'avait rien contre lui, mais pas Rivière-du-Loup. Okay. Quand je suis arrivée la semaine passée, j'ai vu Rivière-du-Loup qui va disparaître. Et on s'était battu. La Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, c'était M. François Lapointe qui était député à ce moment-là, et la Société d'histoire de Rivière-du-Loup, M. Gilles Dubé avait présenté le mémoire avec Mme Savard, Marcel Savard, et on était allé présenter ça au palais de justice de Rivière-du-Loup. Ça n'a pas passé. Rivière-du-Loup est resté, Kamouraska, Minette, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Montmagny, puis Témiscouata. Bon, tout ça était là. Mais la semaine passée, Rivière-du-Loup va disparaître. J'ai dit, qu'est-ce que la ville va faire? Et là, j'étais... En tout cas, je vais vous dire une chose, j'étais inquiète, très inquiète. Mais ce matin, quand j'ai su que la résolution de la ville, je suis très contente. Mais je vais vous faire une petite chose, une petite suggestion. Vous savez que nous sommes dans le district Granville. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Granville. Je vais vous dire quelque chose. Le district Granville, c'est le district sénatorial dans lequel la ville de Rivière-du-Loup est. Et la sénateur qui représente le district Granville, c'est Mme Chantal Petitclair. Donc, je vous invite à communiquer avec Mme Chantal Petitclair à Ottawa. Parce que pour être dans le district Granville, Mme Petitclair, elle a le pain de terre, parce qu'ils sont obligés, à l'Île-Verte. Et Mme Granville représente le district ici, Mme Petitclair, le district Granville. Donc, je vous prie de communiquer avec Mme Petitclair. Moi, je la connais très bien, là, mais je vous prie de le faire. Okay. Parce qu'elle va pouvoir vous aider, parce que vous savez qu'une loi n'est jamais, à Ottawa n'est jamais établie sans qu'elle passe par le Sénat. Donc, moi, je prendrais les jambes à mon cou demain matin pour communiquer avec Mme Petitclair, pour avoir son appui, pour que le
comté de Rivière-du-Loup. Parce que là, on est à midi moins un, là, puis je ne voudrais pas qu'on soit à midi et quart trop vite. Là. Donc, je vous prie d'essayer d'avoir ça. Puis peut-être aussi de communiquer avec la Société d'histoire de Rivière-du-Loup. Vous savez, la Société d'histoire peut vous aider dans ça, dans faire une pression. Okay. On n'est jamais trop de monde pour faire ces choses-là. Okay. En tout cas, je vais vous dire une chose. Moi, je tiens à ce qu'on garde le nom de Rivière-du-Loup. Ça fait 60 ans que je vis dans cette ville-là, puis 60 ans que je veux peut-être vivre encore, mais peut-être que je serai trop vieille à ce moment-là. Là. Donc, j'espère que je n'aurai pas à revenir pour vous aider, parce que je suis prête à vous aider pour qu'on garde le nom de Rivière-du-Loup, parce que c'est la principale ville de notre comté. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci, Mme Raymond. Merci. Roger Plante. Oui. Moi, je voudrais avoir une explication. C'est que c'est rendu là qu'on va à une réunion, on voit ça d'un bord, puis à d'autres places, là, c'est d'autres choses, là. Je comprends pas, OK, que les présences sont même pas prises, OK, quand que la séance commence. Je trouve ça inconcevable. Ou c'est pas l'enregistrement qui fait foi de tout, là. C'est le document qui est rendu. Bien, c'est sûr que nous, on l'a, là, sur le procès-verbal, il est écrit, là, qui est présent, qui ne l'est pas, là. Mais non, ça, je suis d'accord. Parler de nommer les conseillers, conseillers-conseillères. Je ne sais pas, là, M. Drapeau, il est peut-être avec sa wing en avion, je ne sais pas, là. Mais gros, non, il n'est pas... Je sais qu'il n'est pas assis là, là. L'autre point, OK, en tout cas, vous y allez à d'autres réunions, là, vous voyez, vous nommez aux présences? Oui. Pourquoi d'une place, OK? Vous, dans d'autres municipalités, des fois, vous y allez, ils font les présences? Non. Ils nomment les présences? Ça fait partie des règlements. Hein? OK. Bon. C'est pareil comme un ordre du jour. À MRC, l'ordre du jour n'est jamais lu. Avant ça, il était élu, là, puis à un moment donné, mais... 10 ans à peu près que Lagacé a oublié. Fait que là, avez-vous une question comme sur l'ordre du jour? Là, je comprends, là, M. Lagacé, je l'ai vu du coin de l'œil. Ça, on va vérifier. Là, s'il faut nommer les présences, mais je le sais qu'effectivement, la MRC est nommée. Au point 26, je me souviens pas, là, OK, quand que le membre des comités de... Non, pas ceux-là, excusez. 27, me semblait que je n'avais pas le bon numéro. Bon, opposition au rédécoupage électoral de l'Est du Québec. Parce que me semble que il y avait eu une présentation pour ça à Rivière-du-Loup. Oui, bien, c'est ça, il y a eu les mémoires qui ont été déposées. Mais là, je ne sais pas s'il y avait juste... Parce que là, tantôt, vous avez parlé, OK, du point 28. Oui. OK, que, en tout cas, je ne sais pas si j'ai bien compris, là, au point 28, au niveau du gouvernement fédéral, pour le nom de Rivière-du-Loup. Oui. Ça avait eu lieu, si j'ai bien compris... 9 septembre, ça a été fait au mois de septembre 2022. Oui. Ici, à Rivière-du-Loup, là, je ne sais pas si c'est à l'Hôtel Lévesque ou Universel. OK. Moi, qu'est-ce que je voudrais savoir? Est-ce qu'à ce moment-là, y avait-tu, de votre part, est-ce que vous avez intervenu personnellement, vous? Non. En septembre? Au niveau, là, il y a le député Bernard Généreux, il y a la MRC, mais la Ville a travaillé avec la MRC pour la présentation du mémoire. Mais toi, Denis, t'étais-tu allé faire un petit tour? Moi, j'étais présent. J'ai pas pris la parole, mais j'étais présent. J'ai assisté aux audiences. Il y a aussi la TREM. La table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. Qui a pris position aussi, là. Okay. Mais ça veut dire que la Ville de Rivière-du-Loup, comme telle, n'a pas présenté un mémoire, là, comme telle, là... Non, la Ville, non, parce que c'est... Tu sais, dans le fond, Rivière-du-Loup, c'est la MRC. T'sais, oui, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre le nom Rivière-du-Loup, mais c'est pas la ville de Rivière-du-Loup, c'est la MRC de Rivière-du-Loup. Comme dans le Témiscouata, c'est la MRC du Témiscouata. Dans le Kamouraska, c'est la MRC de Kamouraska. C'est les préfets qui ont déposé les mémoires. Mais nous, je le sais qu'à l'interne, ici, à la ville, on a travaillé avec la MRC pour préparer une mémoire. Puis c'est M. Lagacé et Michel qui est allé le déposer, si on veut, au commissaire. Mais le directeur général de la Ville était là. C'est sûr qu'on n'a pas parlé, mais c'était pas n'importe qui pouvait aller parler là non plus. Là. Je pense bien que si la Ville de Rivière-du-Loup ne pouvait pas parler à cette réunion-là,
il y a de quoi qui va pas pantoute, là. Bien, tu sais, moi, je sais pas, là, c'est les commissaires qui collent la chute, là. Toi, Denis, il y avait surpris, là, que la Ville n'avait pas le droit de parole, là. C'est sûr que la Ville aurait pu demander le droit de parole. Mais elle l'a pas fait. On l'a pas fait parce qu'on a collaboré à la création du mémoire avec la MRC. C'est la décision qui a été prise à ce moment-là. Mais on a... Mais la décision, c'est-tu pris par résolution? Non, on n'a pas pris de résolution là-dessus. On prend une résolution quand on mandate quelqu'un pour aller prendre la parole, mais là, il n'y a pas eu de personne. Et dans un cas de même? Non, il n'y a pas eu de résolution pour dire on interdit à quelqu'un d'aller prendre la parole. OK. Il y a une chose, puis ça fait plusieurs fois que je vous le dis, puis je pense que Madame Malenfant a quand même levé un point là, très important. C'est que le gouvernement peut bien prendre une position. Mais je pense que, à soir, c'est de votre devoir de passer une résolution au niveau du Sénat. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre une résolution à soir sur le banc comme ça. Là. Ce qu'on va faire, par contre, on va appeler Mme Petitclerc. Parce que quand c'est pas sur l'ordre du jour, on ne peut pas rajouter ça sur la slide de même. Là. Regardez, j'ai vu pire que ça. Là. Ben, en tout cas, dans un cas comme ça, c'est que si, vous vous demandez... au Sénat, de pointe la madame qui a été nommée, là, le Sénat au complet, là, quand dans un comté que la ville la plus populeuse est tassée, on peut bien garder des je pense bien que le Sénat, là, il y a plusieurs qui... Oui, c'est sûr. Savent que Rivière-du-Loup existe. Là. Oui, oui. Puis nous, là, c'est dans la démarche, M. Plante, dans le fond, là, présentement, là, la seule personne qui a un droit de parole là-dessus, c'est le député fédéral Bernard Généreux qui peut aller nous représenter. Oui. Mais c'est sûr que de sensibiliser le Sénat... Vous comprenez quand je vous dis que il faut que ça passe... Mais non. Que ça s'aille voter par le fédéral, il faut que ça passe par le Sénat. Oui. Puis là, ce que je comprends, c'est que la commission fait une recommandation aux élus, puis après ça, ils apprennent ou ils apprennent pas. Mais c'est pour ça qu'il faut faire une démonstration. Puis là, on le fait. Là. Parce que moi, j'ai appris ça la semaine passée, que c'était jusqu'au 3 mars. Là. Et c'est parce que je trouve, moi, là, je blâme quasiment, là, tout le conseil municipal de Rivière-du-Loup de ne pas avoir grouillé, là. Bien, écoutez... De ne pas avoir brandi le drapeau de Rivière-du-Loup, là, pour dire un instant. On garde-tu notre nom, là, ou on se tait puis on n'en parle pas, là? Bien, nous autres, la décision de la commission, M. Plante, a été rendue le 1er février. Oui, moi, je vous parle pas de la MRC. La MRC, non. C'est une chose, là. Oui, mais la décision de la... Rivière-du-Loup, là, je pense, doit rester dans le nom. C'est clair. Puis à partir du 2, là... Vous n'avez pas fait un bruit de votre part, là. Bien, quand même qu'on aurait crié à tour de bras, là, non, ces médias. Non, mais c'est parce que je pense que vous auriez pu vous chercher, il y a bien des gens, là, qui ont trouvé ça anormal, qui n'aient pas eu de prise de position. Bien, c'est ce qu'on vient de faire à soir, M. Plante. Non, mais on était à la dernière minute, là. Bien, écoutez, de toute façon, on n'avait pas de séance, et ça fait quoi, ces deux semaines, là, qu'on... Ça a commencé à se parler en septembre. Oui, mais la décision était rendue le 1er février. Fait qu'avant le 1er février, on ne pouvait pas prétendre de rien. La représentation avait été faite. Vous saviez quel nom qu'il voulait donner à ça? Oui. Ben oui, ben oui, ça avait été nommé. Là. Bon, merci. Bien évident. Merci, M. Blanc. Bonsoir tout le monde. Daniel Levasseur. Bonsoir. Moi, je veux revenir avec le règlement 21-24 concernant le changement de zonage pour une clinique de vétérinaire. À l'article, l'article 8, là, je reviens un peu à l'envers, c'est que après la dernière réunion, M. Bastille, vous avez donné vous avez été à la radio, vous avez donné une interview à M. Beaulieu, pense, et vous avez parlé d'une SPA qui allait coûter environ 6 millions de dollars, puis ça allait être financé au niveau de la MRC ou de la ville de Rivière-du-Loup. Est-ce que j'ai tort? Honnêtement, là, j'oublie peut-être là, que de dire... Moi, ce que je sais, c'est que le promoteur qui est venu nous voir, il évalue son projet à 6 millions. C'est lui qui nous a fait l'annonce. Okay. C'est pas moi, là.
Ça ne sera pas payé par la MRC, ça ne sera pas payé par la ville. C'est le promoteur qui va bâtir un bâtiment, puis qu'après ça, il va louer à un OBNL qui va s'appeler la SPA, mettons, Bas-Saint-Laurent. C'est ce qui est annoncé comme nom. Il y aura des quotes-parts, bien évidemment, qui seront chargés aux municipalités, que ce soit Rivière-du-Loup, que ce soit des municipalités qui seront desservies. Là, c'est ceux qui visent, eux, KRTB, là, c'est le plan d'affaires est là-dedans. Mais ce qui est important de savoir, même avant la première pelletée de terre, je pense que ça va nous prendre un budget. C'est bien évident que moi, ce qu'on a dit aux promoteurs quand on les a rencontrés, parce qu'ils sont venus nous présenter vite le projet, on n'est pas contre ça. Mais s'il dit, je sais pas, moi, ça coûte 500 000 à la ville de Rivière-du-Loup pour avoir une SPA, pour avoir les services, bien là, on va regarder puis on va se poser la question. Tu sais, c'est combien par capita qu'ils vont charger? Ça, c'est important pour nous de le savoir. Mais présentement, on le sait pas. Il n'y a pas de budget préétabli. C'est ceux qui ont lancé, ils ont fait une demande de modification de zonage. Ils vont aller, bon, en tout cas, ils vont construire éventuellement, là. Mais sauf que, tu sais, moi, tant et aussi longtemps qu'on ne saura pas le prix que ça va nous coûter, et je pense que les promoteurs vont devoir faire ce travail-là, hein, un budget pro forma, dire c'est quoi ça va coûter à chaque municipalité. Parce que nous, on leur a dit que c'est pas un chèque en blanc qu'on le fait, là. Si arrive demain matin, ils font une SPA, puis ça coûte un demi-million aux citoyens de la ville pour avoir ce service-là, on va dire, bon, on est-tu mieux de se garder à l'interne avec ce qu'on fait ou de donner 500 000? Mais, tu sais, présentement, on ne sait pas le prix. Mais c'est pas la ville ne mettra pas d'argent à part que pour avoir des services de la SPA. À quel service que vous attendez d'abord de la SPA? Bien, écoutez, c'est sûr qu'eux, ils vont faire toute la gestion animalière. Au niveau des médailles, ça va être eux qui vont leur faire la gestion. C'est bien évident qu'ils vont garder les sous de ça. Mais, tu sais, s'il y a des chiens dangereux, à un moment donné, c'est eux qui vont intervenir. S'il y a des chiens ou des animaux pas de médailles, c'est eux qui vont faire les interventions. C'est eux qui vont s'occuper, s'ils récupèrent des animaux, de les soigner, de les traiter, puis après ça, de les remettre en disponibilité pour des gens. Ils vont faire la vente des animaux qu'ils vont récupérer s'ils sont pas réclamés. C'est une SPA. Ils font la gestion de ça. Dans le fond, ils vont au bien-être animal, puis après ça, ils remettent les animaux à la disposition des gens. Ils les remettent en vente, puis avec les ventes qu'ils font, bien, si on veut, ça devient un peu le business. Là, ils remettent ça, ils se refinancent avec ça. Mais c'est aujourd'hui, avec le MAPAC, là, en fin de compte, c'est ce qu'ils demandent. Hein. Les municipalités, nous, on fait ce qu'on peut avec ça. C'est sûr qu'on n'a pas le service qui est optimal mur à mur, mais on répond quand même à des besoins présentement. Mais de plus en plus, les municipalités, ailleurs autour, là, ils disent qu'ils n'ont pas de problème de chats et de chiens. Ce n'est pas vrai. Là. Il y en a partout des problèmes de ça. Mais il n'y a pas personne, je pense, qui veut en prendre connaissance. Mais il y a une obligation aussi qui est là, que les municipalités doivent se conformer à ça, de traiter puis de répondre à ces besoins-là face aux animaux. Fait que là, la SPA va venir répondre à ces besoins-là, mais en même temps, financièrement, c'est quoi ça peut représenter pour la ville? C'est important de le savoir. Puis à l'heure où on se parle, honnêtement, on n'a pas de chiffres. OK. Présentement, la ville dépense combien? Parce que je sais que vous avez des médailles à, il me semble, c'est 30 $ là, là. C'est sûr qu'on a, le salaire d'un employé qui est là, plus bon, des frais de déplacement. Mais moi, ça tourne autour de 15 000 $ le budget de fonctionnement de la pour hier. Là, si on peut. Oui. Est-ce que vous, je peux attendre les chiffres à la prochaine réunion, avoir des chiffres justes? Ouais. D'accord, merci pour ça. Suite à ça, présentement, on a sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup Animaux Secours RDL. Oui. Est-ce qu'on les a approchés pour faire un peu ce qu'une SPA peut faire? Ou bien, ce que la Ville fait présentement, est-ce qu'on les a approchés, eux autres, pour faire ça? Bien, je sais que dans le temps, Animaux Secours avait rencontré, effectivement, peut-être à une époque, l'ancien maire, M. Gamache, Mme Vignier aussi, je sais qu'il y a eu des rencontres, mais eux aussi, là, il y avait besoin, il fallait qu'on finance là-dedans. Là. C'était des cas de passe, c'était des choses comme ça, ils ne pouvaient pas se partir. Même au début, si je ne me trompe pas, puis M. Lessé, vous me corrigerez, je pense qu'il fallait que la Ville construisent un bâtiment, puis c'est eux autres qui allaient l'opérer après. Là, il y avait ça aussi, il fallait qu'on fasse la construction. C'est avant que je sois directeur général, ouais. Mais de mémoire, la Ville avait demandé, effectivement, avait proposé de construire un immeuble et de donner en concession l'opération, la gestion de tout ça, puis il n'y avait pas eu aucune personne qui avait levé la main pour dire je suis prêt à prendre ça. Là. Mm. Et j'y vais de mémoire, parce que je n'étais pas DG à l'époque. Là. OK. Merci. Merci, M. Levasseur. Oh. Bonsoir à tout le conseil. Oui, bonsoir. J'ai deux petites questions seulement, M. Pasty. Je vais demander ça à M. Lagacé. M. Lagacé, l'article 18, s'il vous plaît. Permanence, j'ai
Dans le journal local du 11 janvier, il y avait le même affichage pour le même poste. Là. C'est le même poste ou bien c'est deux affaires différentes? C'est un appel différent parce que, si ma mémoire est bonne, Éric est devenu conseiller en urbanisme. Donc, ça a libéré un poste de chef inspecteur que Madame... Aide-moi. José. José, Mme José a appliqué sur ce poste-là, elle l'a eu, donc c'est libéré un poste d'inspecteur. C'est un jeu de chaise qu'on fait. On a pris plus de postes, moins de postes, mais... Il y a juste un inspecteur, soit une ou une inspectrice en bâtiment. Non, il y a des inspecteurs, on en a trois. T'as vu? Bien, le chef inspecteur, puis on va avoir trois inspecteurs. Chef inspecteur plus trois. C'est ça. D'accord. Bon, OK. 18-19, si la commission municipale accorde une exemption de taxes... c'est quoi le montant total des deux ensemble, s'il vous plaît? Je ne sais pas par cœur, monsieur. Ouais, puis pas de problème. C'est la prochaine, prochaine séance. C'est tout pour le moment. Merci. Merci. Roger Plante. Au numéro 12. 12? Oui. C'est parce qu'à un moment donné, pour le... Vous avez parlé, OK, que l'immeuble, OK, avait une valeur patrimoniale. Vous avez dit, OK, que... Est-ce que la MRC, OK, parce que là, au niveau du ministère de l'Environnement, du patrimoine bâti, oui, là, oui. On sait qu'à la MRC, là, il s'est rajouté bien du monde. Il y a eu de l'embauche de fait là-dessus, puis tout ça. Mais c'est que là, c'est bien 250 000 que le gouvernement a eu du ministère patrimonial... Pour trois ans, c'est ça que vous avez dit? Oui, c'est 250 000 par année, mais là-dessus, là, il y a 150 000 qui vient du ministère de la Culture, puis il y a 100 000 qui vient de la Ville. Mais la MRC fait juste la gestion de ça. Là. Okay. C'est pas, eux autres, ils ne mettent pas d'argent, non. OK, OK, OK. Mais eux autres, si je comprends bien, vous m'avez dit, là, vous venez juste de me dire qu'eux autres font la gestion. Oui, bien, en dessous. Ça veut dire que c'est eux autres qui reçoivent l'argent, puis ils vous le redonnent? C'est-à-dire que si... Ils donnent l'autorisation. Ben, si je ne me trompe pas, c'est que maintenant, le gouvernement exige que les municipalités passent par les MRC. Oui, c'est un pouvoir que les MRC ont. Là. Mais vous savez, M. Le Bastille, que quand que la Ville, OK, font la MRC fait la gestion, ils vous chargent un pourcentage là, sur le montant qu'ils donnent. Bien non, nous autres, c'est le 250. Oui, oui, bien, tu sais, ce que je pense, ça devient une responsabilité de la MRC. Il faut que la MRC soit d'accord. Puis il y a trois municipalités là, qui sont dans le même programme que nous. Il y a Notre-Dame du Portage, je pense, puis l'Île Verte, qui sont dans le même programme, mais c'est sûr que ce n'est pas les mêmes montants. Il y a un montant du ministère de la Culture, puis la municipalité en a un montant aussi. OK. Qu'est-ce qui m'a surpris là-dedans? Bon, vous avez dit, OK, que pour trois ans, il y avait 250 000... Par année. Et... Oui. De prévu. Bon. Là, j'ai bien compris pour le 160 rue La Fontaine. Oui. Pour sept châssis, puis je pense une porte. Je peux me tromper, là? Bien, il y a juste sept châssis. Bon, oui, c'est cinq. Et celle-là de la porte ou c'est l'autre, là? La porte, c'est sur la rue Fraser. 319. Oui, c'est sûr. OK. Mais pour sept châssis, bon, la ville, OK. Le donne 59 000? 50 000. Non, elle a le maximum de subvention qu'elle peut avoir. C'est sûr que le coût des travaux est plus que ça. Là. Ah, OK. Mais la Ville le donne quoi? Bien, on le donne 50 000 $. Donner 50 000. Ah, oui, bien, eux autres, c'est après les travaux. Là. Nous autres, on a reçu la soumission du contracteur. OK. Tout le détail des fenêtres, le prix. OK. Mais on s'entend que ça a été accepté. Puis, sur le 250 000, OK, que le fonds a pour trois ans. Oui. Ça veut dire que pour cette année, vous donnez 50 000 au 160 oui. La Fontaine. Oui. Puis, pour le 319, pour la porte, OK, vous donnez 19 000 que ça en vient. On donne 9 000. 9 000? OK. Ouais. Non, mais c'est parce que... Oui, 9 300. 9 000, vous ne l'avez pas dit. Vous avez parlé de 19 000, là. Peut-être, peut-être que les... Non, bien, M. Lagacé, il l'a lu, 9 397 pour le 319. Là, coché, il y a un malin qui en a un qui a parlé de 19 000 que ça. 9 000, je ne me souviens pas de l'avoir entendu. Là. C'est vraiment 9 390. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que là, il peut rentrer d'autres demandes? Oui, tout à fait. Mais il reste des montants aussi de l'année 2022 qui sont réappliqués en 2023 parce que l'enveloppe n'a pas tout été dépensée. OK. Mais il reste quoi?
Ah, écoute, il en reste. Bien, dans le fond, c'est sur le 3 ans. Une soixantaine de mille. Comment vous dites ça? 60 000. Ah non, il reste plus que ça. Oui, il reste plus que ça. Fait que ça veut dire que pour cette année, est-ce qu'il y a eu d'autres de déboursés? Parce que si on dit 50 000 pour un, 9 000 pour l'autre, bon, mettons que ça fait 60 000 en partant. Oui, bon, on a donné, écoute... On en avait donné? Oui, à la dernière séance, on a donné, écoute, je pense qu'il y en avait un sur la rue Iberville. Un rue Iberville. Tu sais, il y en a eu quelques-uns, mais on n'a pas pété l'enveloppe. Est-ce que ça fonctionne pour 2023? Oui. Bien, ça font... C'est pour le demi de... C'est ça, parce que nous, avant ça, la Ville, on mettait... C'était 100 000 par année, puis il n'y avait pas d'autre chose. Là, le ministère de la Culture est venu offrir un 150 000, puis on a maintenu notre 100 000, donc ça fait une enveloppe de 250. C'est beaucoup plus intéressant, là. Oui, 250, mais là, si vous dites tantôt qu'il restait assez d'argent... Mais sur le total, il faut le voir sur les trois années. Là. À un moment donné, même si ça chevauche sur deux années, mettons une année, on donnerait 270, bien c'est sûr que l'année d'après, il va en avoir moins à donner. Mais à date, là, en 2022, le programme a commencé en 2022, qu'on a commencé ça, mais on n'a pas tout dépensé, le 250 000. Parce qu'il y a bien des gens, comme le projet de la dame, là, ça avait été déjà présenté, je ne sais pas si c'est lui ou un autre, mais ils n'ont pas pu les faire, les travaux, parce que les entrepreneurs n'étaient pas disponibles. Il y en a qui avaient fait la demande là-dessus. Là. Oui, parce qu'on a donné une coupe sur la rue Fraser aussi, dans le vieux Saint-Patrice. Mais des fois, ce n'est pas des gros montants. Là. Les 50 000, on a donné un, c'est ça, ça doit être Iberville, on a donné un sur la rue de la Cour il n'y a pas longtemps. C'est une couverture, là, c'était des travaux de 80 000 piastres. Mais ça, c'est une couverture à baguette de quoi? Oui, c'est en plein ça. On a donné. OK. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ordre du jour? Sinon, on passerait à toute autre question. Puis c'est sur un court préambule, là, puis une question, c'est surtout ça le but. Là. Il n'y aura pas de préambule. Il n'y aura pas, parfait. On n'a pas pour ici. Je regarde ici, M. Bastille, il y avait un poste d'affiché opérateur ou opératrice. Oui. Traitement des eaux. Oui. Vous avez parlé, vous aviez récupéré l'usine pour sauver quelque chose. Vous êtes rendu à combien de personnes? Ah, c'est les mêmes. Écoutez, c'est sûr que quand on a fait l'embauche au début, bien, il y a des gens que ça a fait, il y a des gens que ça n'a pas fait, il y en a qui sont partis, puis on réengage. Mais on n'a pas plus qu'on avait au début. Là. Il doit y avoir 6 opérateurs en tout, avec chef mécanicien là, d'usine, là, puis... Un électromécanicien. Électromécanicien, oui. D'accord. Je vais reculer un petit peu plus loin. Je vais revenir sur le budget, si vous permettez. OK. À la page 18. Sommaire de tarification, vous avez parlé d'une augmentation de la caduc, les égouts, des gestions des matières résiduelles, vidange des fosses septiques. Vidange des fosses septiques, comme moi, je suis collecté sur les services de la Ville, est-ce que je me dois de payer les 31 $ de plus aussi, ou bien que c'est juste les personnes qui ont des fosses septiques? C'est juste les personnes qui ont des fosses. Ouais, vous, ça doit être, c'est quoi, c'est 250, les égouts, là? Et je ne me souviens pas du montant par cœur. Attendez, les égouts ici, c'est rendu, oui, 250 au lieu de 220, puis l'enlèvement, c'est 170 au lieu de 162. Maintenant, suite à ça, là, je regarde ça ici, plus le taux de taxation foncière qui a changé, sur la première ligne de mon compte de taxes, je ne sais pas si c'est le même de tous les citoyens, c'est marqué « Solution technique étant aérée » et vous venez chercher 29 $ et 76 de plus par compte de taxes. Comment se fait-il que ça n'a pas été présenté dans le budget? Enfin, je ne le vois pas, j'ai regardé dans le budget, mais je n'ai pas vu ça nulle part. Bien, ça, c'est pour l'éco-flow, ça? Des étangs aérés. L'agrandissement des étangs aérés, là. C'est dans le règlement d'emprunt, mais on pourrait vérifier pourquoi il est sous une ligne distincte, parce qu'il pourrait être à même la taxe foncière des gens du secteur. Là. C'est probablement parce qu'il est applicable sur juste un secteur, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans une ligne distincte. Oh, qu'il soit dans une ligne distincte ou incorporée, mais il faudrait le payer pareil. Mais moi, je comprends pas qu'il n'a pas été présenté lors du budget. Ça n'a pas été annoncé. C'est-à-dire, il est dans le règlement d'emprunt, puis il doit faire partie du calcul global. Mais je vais vous revenir là-dessus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai, M. Bastille. Merci. Merci bien. Je voudrais savoir, OK, au niveau... le parc, OK, pour les neiges usées. Oui. C'est qui s'occupe de ça? C'est-tu M. Tremblay? Éric Tremblay? Éric? Non.
Gérald Tremblay. Je ne sais pas c'est qui s'occupe au niveau de la gestion du site. Là. Ça relève du service technique et de l'environnement, effectivement. Es-tu Gérald Tremblay? Ben, c'est lui qui est directeur du service. Mais je ne sais pas si c'est lui qui s'en occupe comme ça. C'est lui qui s'en occupe, mais c'est lui qui est directeur du service. OK. Fait que partir de là, moi, j'ai parlé à plusieurs reprises depuis des années au niveau du parc à neige. Fait que là, j'ai encore remarqué, si vous avez une bonne mémoire, M. Bassi. Je me souviens que vous avez déjà parlé de ça, c'est sûr. Pas qu'une fois. Là. Ah. C'est que là, on s'aperçoit que on a encore enterré des arbres. On a de l'air à manquer de place. Pas trop proche. Parce que là, Malané, quand que je n'avais parlé, vous aviez été averti là, d'arrêter de... Parce que là, il y a un bassin là, de capage d'eau, là. Puis à un moment donné, il y a une coupe... Ils l'ont fait deux ans de temps. Que là, la neige, était rendue quasiment là, à la clôture, là, du captage d'eau, là. OK. Là, on s'aperçoit qu'il y a encore des arbres d'enterrer plus que la moitié. Au lieu de les couper, vous avez envie de les faire mourir, c'est ça que vous avez fait avec les autres. Ah, honnêtement, je ne vais pas là, je ne sais pas, là, M. Blanc. Je vous enverrai des photos, là, je n'ai pris, là. OK. OK? Il n'y a pas avec moi qui passe là. Fait que dans le fond, vous voudriez qu'on arrête de faire ça? Comme c'est là, là, il faut réaliser une chose, là. C'est que là, d'un côté, vers l'est, OK, vous emmenez le long du chemin qui descend à Petite-Bâtisse-Brune, en haut de ça, là, à Val. Et là, en hauteur, vous êtes plus haut que la limite que vous avez le droit de faire. Est-ce que, moi, je voudrais savoir, est-ce que la Ville a prévu de faire un autre parc à neige, à un moment donné, là? OK, bien, écoute, bonne question. C'est parce que là... j'ai pas vu ça dans un plan à court terme, là, honnêtement. Là. Et je pense bien que... Ou que j'avais envie de tout enterrer et faire mourir les arbres-là, là. Et on s'aperçoit que, depuis 5 ans, que le parc, le dépotoir à neige... Je sais que c'est pas simple, je pense, à M. Denis, d'avoir des autorisations pour faire des parcs à neige. Là. C'est pour ça que j'avais remarqué, j'ai demandé de voir s'il y avait de quoi de prévu dans ce sens-là. Là. OK, bon. Parce que la neige qui part de Saint-Nudger ou de Saint-François... Oui, il faut qu'elle descende. C'est moins... OK, je peux pas croire que... Non, OK, on s'entend là-dessus à chaque bord, là. Oui. OK. De toute façon, une caserne, ça va en prendre une en bois à un moment donné, là. OK, mais là... Ça pourrait peut-être la même chose, tu sais. Bon. L'autre chose que je voudrais savoir, c'est que là, à la dernière réunion de la MRC, que vous étiez présent, c'est parce que là, OK, vous avez admis à un moment donné avec moi, je vous disais que Michel Lagacé portait beaucoup de chapeaux. Vous avez dit oui, vous avez raison, M. Plante, M. Lagacé porte bien de chapeaux. C'est que là, OK, à la dernière réunion de la MRC, c'est que là, il y a des maires, au lieu... Bon, M. Lagacé n'était pas présent. Puis là, les maires, OK, écoutez, là, on a un poste à combler. On sort un petit bout de papier. Oh, M. Lagacé est intéressé, là. Mais toutes les maires autour de la table, là, là, on va poser ça encore à Lagacé, là. Il y en a-tu un? Ils sont-tu tous incompétents autour de la table, là? Il n'y en a pas un qui lève la main et dit, « Ah, on va y ôter un chapeau, ce pauvre homme. » Oh. Bon, c'est sûr qu'il y a des dossiers que M. Lagacé... Hein? Vous avez présenté Lagacé, vous avez appuyé. Vous avez fait comme les autres. S'il n'y a pas de volontaire... On va remettre Lagacé là, là. Ben non, il a dit que M. Lagacé était intéressé de continuer, puis il n'y a pas personne qui s'est proposé pour y aller. Il va vous dire une chose, ça prend tout pour qu'il se lève la main pour voter. Ouais. Yeah. C'est le seul candidat qui se présente, c'est lui qui est élu, là. Ouais, c'est ça, là, mais écoutez, là. Hein? C'est parce qu'il y a des bouts, il n'y a pas grandes élections. Hein, vous savez que je... Ah oui, hein? Effectivement. Mais c'est parce que l'autre chose que je voulais vous demander, c'est au niveau l'éco-centre. Oui. Encore une fois, je vais me répéter, ça fait plus que 10 ans que j'en parle. Je pense que vous étiez élu le premier coup, là. Depuis novembre 2013. Ouais. Vous souvenez-vous quand je parlais, comme exemple, du Témiscouata, les éco-centres, ouverts à l'année, bien gérés. Mais là, il a commencé, ici, à Rivière-du-Loup, là. Il est ouvert 3 jours par semaine, je pense. Quand Lagacé a commencé à parler de ça,
Il disait, « Non, pas de problème, écoute, ça fait assez longtemps que tu nous le dis, mon plan, que tu nous écœures. » Ben, tabarouette, c'est encore ouvert, une journée ici, fini à 3 heures. Oh. Ouais, ben là, c'est sûr que l'objectif, c'est d'être ouvert plus. Avant ça, il était fermé. Bon, là, on ouvrait des journées. On est 13 ans après. Ouais, mais écoutez, plus tard que jamais. En plus, il passe une résolution à MRC. Puis je pense que c'est vous qui avez appuyé. Ah, oh, ça se peut, là. C'est... Non, c'est bien, là. Mais une résolution de quoi? La résolution qu'on rapporte encore un an de plus pour la co-éco. Avant ça, il fallait... Ah oui, bien, c'est un contrôle gré à gré. Mais là, on est pogné de 2 ans. Mais il en pleut pas du monde qui font ça ici, là. Seigneur, veux bien clair, avec l'ouvrage qu'ils font, Simonac, quand t'es capable d'opérer de quoi à l'année, là? Mais des fois... Mais moi, des commerces qui marchent public, OK? Un service public qui marche 2 jours par semaine... Bien, c'est sûr que M. Plante, c'est peut-être pas l'idéal, je vous le donne, mais en même temps, et eux aussi vivent des problèmes de rentrée de main-d'œuvre. Le Témiscouata, t'as vu, c'est ouvert à la semaine. Bien, tant mieux. Mais oui, mais écoutez, là, ça coûte plus cher. Je me suis fait parler de vos taxes en fin de semaine. Ah, oh, je vais vous dire une chose, là. Faudrait pas vous présenter, là, en élection, là. Oh, boy, vous dites que pour moi, ça se passerait pas de la même manière. Mais on ne gère pas à vite pour être élu. Savoir. Avez-vous une dernière question, là? Ben, regardez. Est-ce que mes questions sont-elles pertinentes ou pas? Oui, bien, quand vous arrivez à la question... Oui, OK. Je vais arriver, vous allez voir, ce ne sera pas long. Mais essayez de comprendre, pardon. Parce que j'ai manqué de tomber en bas de ma chaise aussi, à soir. J'écoutais notre ami Lagacé, Michel. OK. OK? Que là, il disait, bien là, il n'est pas certain, parce que là, il nous a embarqués dans le projet, OK, d'éoliennes, OK, le nouveau terme, là, qui... Oui, l'Alliance de l'Est, là. C'est ça, OK? Mm-hmm. Bien là, il n'est pas certain qu'il va y avoir des élections. Ben, moi, je vous vois un petit sourire dans le coin, là. Fait que vous êtes au courant, certain. Non, 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 j'ai pas compris. Il n'est pas certain qu'il va y avoir quoi? Un petit sourire, là. Honnêtement, j'ai pas eu de nouvelles à soir. C'est qu'à soir, là, ouais. C'est que là, OK, ça peut arriver qu'on n'ait pas d'éoliennes qu'on a dans l'Est. OK. Bien là, j'ai manqué de tomber sur le dos. Vous allez comprendre pourquoi je voulais... J'ai manqué de tomber sur le dos. C'est parce que là, si on n'aurait pas d'éoliennes dans l'Est... Parce qu'on n'a pas les lignes pour porter le courant. Oui, ça, j'ai entendu. Mais pas à soir, mais ça, je le savais déjà. Bon, vous le saviez déjà. Ils vont être obligés, c'est sûr qu'ils vont être obligés de grossir parce que la capacité de ramener l'énergie, là, il en manque. Là. Non, mais oui. Depuis qu'ils ont demandé des soumissions, qu'ils savent, que vous le savez, c'est exact? Ben oui. Vous saviez, oui. Vous savez, Monsieur... Mais je m'occupe pas de ce dossier-là. Là. Écoute, Vous avez entendu parler... Oui, je savais qu'Hydro-Québec allait... Vous avez entendu ça dans le corridor? Non, mais par rapport à ça, c'est ça. Avez-vous une question? Mais ce que Oui, posez-moi là. Vous êtes au courant. Là, il veut nous embarquer que là, c'est nous autres, les pauvres contribuables, que là, c'est nous autres qui paieraient pour faire la ligne... Des lignes électriques. Oui, mais c'est avec les revenus qu'on va faire de l'éolien, là, M. Plante. Là, on sortira pas ça des poches... Comment ça coûte? Bien, ça doit coûter une beurrée, je suis sûr. Une beurrée plus une jambe, là. Oui, mais avec les revenus qu'ils vont faire là, ils vont faire de l'argent aussi. Mais les éoliennes sont pas de bout. Oui, mais écoutez, on va traverser le pont, mais qu'on soit rendu là, je le sais pas, M. Plante. Ça, je suis d'accord. Mais on revient toujours au même point. C'est que c'est rendu qu'au niveau de Rivière-du-Loup, on avance des projets... On parle, OK, d'un parc de neige, OK, que ça va en prendre un, c'est évident. Au niveau de la MRC, on se fait parler de SPCA. On ne sait pas de prix. On ne sait pas c'est quoi ça va nous coûter de quote-part. On nous a embarqués, OK, dans le 4 voies. Est-ce qu'il y a-tu bien des millionnaires qui se sont rajoutés à Rivière-du-Loup en 2022? Non. Il y en a qui commencent à être écœurés, là. Que ça tire de tous les bords, de tous côtés. Puis là, on peut pas rien savoir. Non, on peut pas savoir comment ça... Ben moi, M. Plante, écoutez, quand je sais de quoi, je vous le dis. J'ai pas joué bien de game ici, là. Décembre, j'ai trouvé tiré fort pas mal à soir, là. Ben, pour que la fin... J'avais dit, OK, au niveau qu'on serait pogné pour embarquer d'une patente pour faire une ligne, OK, électrique,
pas grossir le fil, là. Non, mais moi, je pensais pas que c'était la... Et... C'était les éoliennes, tu sais, que c'était le... Mettons, l'Alliance de l'Est était obligée de faire ça. Je pensais que c'était l'Hydro-Québec. Non, vous me dites que c'est l'Alliance de l'Est. Mais là, je prends des informations. On part de où que le fil est assez gros, là. Oui. Et on s'en va jusqu'à Percé. Vous pensez que ça coûte? Un qu'en ingénieur, en acheteur de terrain, un qui pensait que c'est un non-sens. Bien, je vais regarder ça. Moi, je pensais que c'était Hydro-Québec. Oui, pourquoi vous me dites, je vais regarder ça? La CPCA, je vous pose une question. Bien, je vous... savais pas plus long non. La dernière réunion. Bien non, c'est pas notre projet, M. Plante. Non, mais c'est nous autres qui va payer. Bien, c'est nous autres. Bien, ça va être votre municipalité. Vous direz à votre maire que vous voulez pas qu'il paye pour ça. Il dort au gaz, lui, ici. Bonsoir, M. Bastille. Bonsoir, membre du conseil. J'aimerais, s'il vous plaît, revenir à la séance du 23 de janvier. OK. Et le sujet des téléphones publics, s'il vous plaît. Écoutez, on va prendre quelques minutes, là, mais des minutes, là, parce que pour nous, le téléphone, le tour a été fait. Là. Monsieur Bastille, vous avez donné beaucoup de temps à toutes les autres pour parler. Oui, mais c'est parce que le téléphone, s'il vous plaît, c'est tellement important. OK. Afin d'arriver à la question que j'aimerais poser, oui. C'est nécessaire pour résumer, un couple de minutes pour résumer les propos de le 23 de janvier. OK. J'ai commencé de dire que le téléphone publics sont essentiels, même que le service police, service incendie. J'ai donné des circonstances, des exemples, des circonstances d'urgence que le téléphone public est tellement important. J'ai parlé de quelqu'un, le citoyen, qui a un problème de voiture, pas le téléphone, il va chercher un téléphone public. J'ai parlé de le gens mis dehors par ses parents. Il a perdu son téléphone, il a été volé. Il cherche un téléphone, il pense de le suicide. J'ai parlé de les citoyens qui ont perdu son téléphone parce qu'il y a un problème technique. Peut-être le fournisseur n'est pas content, il a fait quelque chose avec le service. Et aussi, j'ai parlé pour les autres gens qui ont les appareils de tracer et écouter que ça prend de l'électricité pour cet appareil. Et donc, les services téléphoniques à le public, c'est le service en réserve pour tous les autres citoyens. Après ça, j'ai parlé de la part de mon service l'été passé et d'aller dans la ville pour trouver un service public téléphonique. J'ai dit que j'ai trouvé plusieurs qui sont dans les endroits privés, mais pas beaucoup dans l'extérieur, qui est disponible 24 heures, 7 jours par semaine. Bien, moi, je vous en ai trouvé trois, là. Et j'ai continué à dire que, en le temps de fête, j'ai trouvé quatre, deux qui fonctionnaient comme il faut, les autres deux ne fonctionnent pas. J'ai parlé de temps de fête que l'entreprise Bell a ôté deux qui fonctionnaient à l'extérieur devant la station police et l'autre devant l'entrée de le Walmart. Et à la même séance de 23, j'ai dit que ça reste seulement un. C'est vrai que vous avez trouvé deux autres à l'extérieur, mais il n'y a pas beaucoup. Ça, c'est le fait. Non, je... Les qui sont à l'extérieur sont en les endroits privés. J'ai continué de parler de l'importance de le service public. Après que j'ai fini tout ça, M. Bastille. Êtes-vous allé voir Mme... Mais s'il vous plaît, oui? Ça c'est la question. Avant que j'ai parlé de tout ça, vous avez pas dit un mot contraire de mes propos. Pas un mot opposé à les points que j'ai faits. Non, non, pas, ce que vous êtes d'accord avec ça. C'est ça. S'il vous plaît, je vais finir bientôt. Merci pour votre patience. Quand j'ai fini, le seul mot
que vous avez dit, après que j'ai dit tout ça, l'importance de le téléphone public, vous avez dit, on va parler avec Bell. C'est ça, ouais, ben, votre problème. Oui, mais je vous l'ai dit l'autre jour, ce que j'ai fait avec Bell. On les a appelés. On a quelqu'un à l'interne au niveau du service technique qui a un contact chez Bell. Bell, ils n'en rajouteront pas. Ils nous ont offert, ils ont dit, si vous voulez des cabines, on va vous en mettre, ça va vous coûter 10 000 $. Tu sais, c'est ce que je vous ai dit. Je vous avais dit que je m'en occuperais. Je suis allé voir, je n'ai trouvé trois. Il y en a une qui ne fonctionne pas au coin de la cour La Fontaine. Oui. Le service technique a fait une requête à Bell. Ils vont aller réparer ces petits clapets, mais ils nous ont dit, on ne sait pas c'est quand qu'on va y aller, mais on va y aller. Ça, c'est une chose. La Ville, la semaine passée, à la bibliothèque, on a mis une cabine, un téléphone public à l'intérieur de la bibliothèque qui coûte ça pour l'opérer. Mais c'est sûr qu'il faut y aller pendant les ouvertures de la bibliothèque. On ne le met pas à l'extérieur, on va se le faire briser. Il est à l'intérieur, il est à la bibliothèque. Puis ce qu'on veut regarder dans nos édifices publics, si on est capable d'en mettre d'autres à d'autres endroits, bien, on va le faire. C'est ce que je vous ai dit. Mais la Ville n'achètera pas une cabine de Bell pour la mettre sur un coin de rue. C'est sûr. Je comprends bien. Le gros problème, au fond, c'est que tous les téléphones, sauf les téléphones vous parlent que vous avez mis récemment dans les bibliothèques, tous les téléphones sont en les endroits privés. Ça, c'est un système téléphonique public faux. C'est une illusion. Ben... Non, attends, c'est une illusion parce que, comme j'ai parlé le 23 de janvier, le public n'a pas le droit de rentrer dans un endroit qui est privé si le propriétaire dit « tu ne peux pas rentrer ». C'est fini. Donc, ben, il y a autre chose. À la bibliothèque, M. Thériault, vous pouvez aller. Mais on parle de tous les téléphones qui sont avant que vous avait mis un dans la bibliothèque. Mm-hmm. Tous les téléphones en ville actuellement sont en les endroits privés. Donc, deux raisons que c'est bon rien, franchement. La première, comme j'ai dit, le public n'a pas le droit de rentrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur le contrat avec les entreprises Bell et le propriétaire de l'endroit privé. Et quand le contrat est fini, la même chose peut faire qu'il a passé le téléphone dehors de la Walmart, c'est fini le contrat et l'autre, le téléphone, c'est disparu complètement. Ça peut arriver, ce qui reste, qu'ils vont les enlever aussi. On n'a pas de pouvoir pour les empêcher de les enlever. Eux autres, ils nous disent, si vous voulez les garder, bien, la Ville paye. Mais attends une minute, s'il vous plaît. Ça, c'est la grosse question, parce que la dernière séance, vous avez dit, vous avez confirmé qu'il n'y a pas de téléphone public dans les endroits publics. Je ne savais pas ça. C'était incroyable. Autrefois, tous les téléphones, ben oui. Tous les téléphones publics étaient à les endroits publics. Tout à fait. Parce que ça, c'est pour les publics. Oui. Pour tous les citoyens. Donc, vous avez une bonne idée. Vous avez dit, hey, on pense de mettre des téléphones dans les endroits publics. Et à ce temps, vous me comptez. Ben oui. Vous avez mis dans les. Dans nos endroits, nous. Oui. Il va pas chez les voisins, là. Et je vous demandais à la dernière séance, est-ce que ça va être en cuivre? Vous dites non. Ben non, on n'a pas. Parce que ça coûte 60 piastres chacun, c'est trop de pour payer. Donc, la chose que je ne comprends pas, c'est ça, M. Bastille. Tous les services actuellement que Bell fournit dans les endroits privés, dans les bâtiments privés, Jean Coutu et Desjardins et tous les autres, ils ne payent pas pour ça. C'est fourni par Bell. Pourquoi vous ne parlez pas de Bell et dites « Hey! » C'est bon, rien dans les endroits privés pour les raisons que j'ai parlé. S'il vous plaît, mettez le même service en cuivre qui va fonctionner quand il n'y a pas d'électricité. Ouais. C'est le plus sécuritaire par rapport à la vol de données. C'est le plus fiable. Le meilleur système au monde. Et comme j'ai dit, vous n'avez pas opposé que c'est le système urgence pour la ville et le système en réserve quand il n'y a pas d'électricité. Pourquoi vous ne pouvez pas parler avec Bell et dire, hey, M. Thériault, c'est fait ça. Je vous l'ai dit tantôt. Ils nous ont dit qu'ils
Si on en veut, là, c'est la ville qui va payer. Pas de cabine, mettre-les dans les endroits publics. Oui, mais il faut qu'ils soient à l'intérieur. Ils ne laisseront pas souvent accrocher après un bâtiment. C'est bon, là. Mais c'est en cuivre. C'est beaucoup plus meilleur que les téléphones qu'ils vous mettent. C'est l'Internet, c'est bon rien. Ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas d'électricité. C'est pas sécuritaire et c'est pas fiable. Bien, écoutez, moi, en tout cas, la ville fait ce qu'elle peut là-dedans. Puis on n'est pas obligé d'en mettre des cabines, même si vous dites pas des cabines, Internet, okay. Là, pas des cabines, mais pas des téléphones cabines, publics. Monsieur le maire. Mais ce que vous dites, écoutez, M. Thériault, oui? Je pense qu'on prend notre responsabilité là-dedans. Puis s'ils veulent pas mettre des lignes de cuivre, puis des ci, puis des ça, tu sais, on a bien beau essayer, là, mais en passant, avez-vous été voir le député Bernard Généreux? On avait parlé de ça, ils attendent votre visite. La raison, s'il vous plaît, parce que merci pour la question. J'ai pensé beaucoup de ça. Et pour moi, ça fait aucun de sens. Pourquoi? Parce qu'à la séance de le 23 janvier, c'est vous qui va dire « Je vais parler avec Belle. » Oh oui, c'est la première raison. Le deuxième, c'est le sujet. C'est pas ma problème seulement, c'est toute la ville. Et le sujet est pour toute la ville. Le téléphone d'urgence, le téléphone en réserve pour la ville. Okay. Donc, c'est pas moi. Et la troisième raison, c'est vous, nos représentants de tous les citoyens, qui va avoir la meilleure chance avec M. Gennaro, moi ou vous, M. Bastille? Ben, pour assurer qu'on ne perd pas notre service d'urgence téléphonique, notre service en réserve de téléphone. Et la seule chose que je demande à Bell, pas le mettre dans les endroits privés, parce qu'ils ne sont pas pour les publics, mettre-les dans les endroits publics, comme c'était autrefois. C'était tout en les endroits publics. Autrefois, ils ne voyaient plus ça de même, eux autres-là. C'est pas Bell, une entreprise qui est seulement pensée à le profit, qui devra de choisir pour nous autres qui est bon pour la ville. Ben non, mais écoutez, moi, je pense qu'on a fait notre job là-dedans. Je comprends que vous n'êtes pas content de la job que j'ai faite, mais pour le moment, je ne peux pas faire plus. Monsieur Bastille, la question, c'est pourquoi vous ne pouvez pas demander à Bell de mettre pas les services en cuivre, téléphone public, dans les endroits privés, parce que c'est pas public. Les lignes de cuivre, on a à la ville, mais on en garde pour les services d'urgence. On a ici, là. Pour le public, pour les gens, comme j'ai dit, la situation d'urgence, et quand ça parle de l'électricité, il va avoir un place pour aller pour faire un appel. Une ligne en cuivre, seulement demander qu'ils mettent la ligne dans les endroits publics. C'est pas grand-chose. Oui, mais c'est quoi, vous comprenez pas quand je vous dis qu'on l'a demandé puis qu'il s'en fout? Pourquoi il va pas le mettre là? C'est le même prix, zéro pour la ville. Zéro frais. Les investissements, vos pôles de dépenses, c'est bien simple. Mais ils le mettent dans les endroits privés. C'est zéro sens. Hein? Mais quand vous dites endroit public, c'est où? Dans la bibliothèque, tous les bâtiments publics, dans les arénas, dans les. Tout, avant, il y avait des téléphones publics en tout. Ouais, mais là, tu sais, les endroits publics comme la ville, exemple qu'on en mettrait un ici à l'entrée, mais quand l'hôtel de ville est fermé à 4h30, quand même, c'est une ligne de cuivre. Je comprends bien, c'est pas idéal, mais c'est meilleur qu'un téléphone. Ben ouais, ça va pas fonctionner quand il n'y a pas d'électricité, que c'est pas fiable et que c'est pas sécuritaire. Mais si on n'a pas d'électricité ici, de toute façon, l'hôtel de ville va être fermé. Quand même qu'on aurait une ligne de cuivre en bas, là, les portes vont être barrées. Monsieur Bastille, on peut faire meilleur que ça. En tout cas, pour tout de suite, M. Thériault, je vous ai dit ce qui en était. Je comprends que ça ne fait pas votre affaire, mais je ne peux pas faire plus pour le moment. Pourquoi vous ne pas demander de le mettre dans les endroits publics, M. Bastille? Pourquoi? Bon, on a mis, là, c'est sûr que c'est pas une ligne de cuivre, mais il y a un téléphone à la bibliothèque. C'est pas la même chose? Oui, mais demain matin, je vais téléphoner, vous allez être capable d'y aller, là. Pardon? Si demain matin, la bibliothèque est ouverte à 9 h, puis vous dites j'ai besoin de téléphoner, allez-y, puis vous allez téléphoner. Tu sais, il n'y a pas des pannes d'électricité à tous les jours, puis à toutes les semaines. Là.
Les téléphones que vous avez mis ne sont pas fiables, ils ne sont pas sécuritaires par le vol de données. Wow. Et ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas d'électricité. C'est bon, rien, ça, vraiment. Okay. Ben, pourquoi Tario... vous ne pouvez pas demander le mettre dans les endroits publics, pas dans les endroits privés? Pourquoi, M. Bastille? Quoi qu'on peut pas, ben quand c'est privé, ben quand c'est public, mais c'est public, c'est... C'est une grande différence. C'est public, c'est une grande différence. De la ville, là. Mais ça change quoi? Dans un endroit public, le public a le droit de l'accès. Ah oui, vous avez le droit. Il n'y a pas le droit de rentrer dans un bâtiment privé. Si le propriétaire dit, tu ne peux pas rentrer. Ben non, c'est sûr que tu ne peux pas rentrer d'une boutique au centre d'achat pour aller téléphoner. C'est ça. Ben oui, c'est normal. Donc, ce n'est pas un service public, téléphonique. Ben, c'est un faux, c'est une illusion. Ben écoutez, le commerçant qui paye sa ligne de téléphone, il n'est pas obligé de la passer à n'importe qui, là. Les téléphones publics qui sont dans les endroits privés, comme Jean Coutu et comme Desjardins, je suis sûr que les entreprises Desjardins ne payent pas pour ça. Non, sont fournis. C'est une illusion. Ça devrait être dans les endroits publics. Ça, c'est le au fond, le problème. Ça devrait être dans les endroits publics. OK, c'est correct, monsieur. OK. C'est bon? OK, merci pour m'écouter. Et M. Bastille, la dernière séance, j'ai parlé d'un autre grave problème aux bibliothèques. C'est au-dessus de mes compétences. C'est quoi ça? Bien, je veux dire, par rapport que l'imprimante est sur le réseau Wi-Fi, puis là, c'est pas sécuritaire, puis tout ça, je connais rien là-dedans. Là, fait que... Mais c'est le fait! Oui, mais avez-vous une question? Je peux pas rien faire. Ça, c'est la question! Ah, pardon? Et votre question, c'est de savoir si on veut revenir avec des fils d'un mur puis collecter les imprimantes? Non. À la dernière bibliothèque, comme j'ai parlé à la dernière séance, l'imprimeur était connecté, configuré avec un câble fixé. Oui. C'est le plus efficace, plus sécuritaire par rapport à le vol de données et le plus privacy. Et une décision est à faire à la nouvelle bibliothèque de le fait de l'imprimeur sans fil. Et ça veut dire que c'est pas sécuritaire, c'est pas fiable. Ouais. Et les citoyens peuvent être victimes de le vol de données, le vol d'identité. Okay. C'est vrai? Ouais, Et vous avez dit que vous pouvez faire une investigation. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Bien, tu sais, je ne sais pas si vous avez parlé, M. Lagacé, avec le directeur. C'est un service qui est offert. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Si vous ne le trouvez pas sécuritaire, vous ne l'utilisez pas, c'est tout. C'est ça, le service qui est offert. M. Lagacé, une bibliothèque est un endroit que ça devrait être sécuritaire, que ça devrait être privé. Le privacy est un principe fondamental de démocratie. Monsieur Thériault, oui? C'est le service qui est offert. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. S'il fait votre affaire, vous le prenez. S'il ne fait pas votre affaire, vous ne le prenez pas. Vous pouvez aller les faire... Il n'y a pas des autres endroits qui sont avec le câble fixé à ce temps. C'est la question, Monsieur Lagacé, Monsieur le maire, c'est pourquoi... Je sais. Les gens qui font des décisions à aller d'un système, une configuration qui est fiable, qui est sécuritaire par rapport au vol de données, il a mis un système qui n'était pas fiable et qui n'était pas sécuritaire. C'est beau. Je n'ai pas de réponse. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Thériault. Oui, bonsoir, Daniel Levasseur. Bon, pour faire suite à la réunion du 23, M. le maire, vous avez fait votre devoir versus les recommandations que vous avez faites à M. Thériault à la dernière réunion. Oui. Il avait appelé le monsieur bienvenu, d'après ce que je peux voir, il n'a pas fait. Il devrait s'organiser pour aller au CRTC, il ne l'a pas fait. Il attend à ce que nous, on fasse la job pour lui. J'espère que ça va être la dernière fois qu'il va parler de ce système téléphonique-là ici, qu'il fasse ses devoirs puis qu'il nous ramène avec des solutions qu'il a reçues du CRTC. Ça va me faire plaisir de les entendre, parce que ça m'a fait plaisir d'entendre le système téléphonique sécuritaire. Fait qu'il continue à faire ses devoirs et qu'il n'attende pas après la ville, où il avait carrément dit ce que ça vous avez fait ou ce que lui devrait faire comme citoyen. Quand moi, je veux faire des plaintes, je m'adresse au bon endroit, fait qu'il s'adresse au bon endroit pour ses plaintes. Merci pour celle-là. Deux questions, M. le maire. Oui.
Non, le chef des travaux publics, vous l'avez parlé tantôt. OK. Vous avez envoyé sur le journal cette semaine, j'avais concierge post-syndicat en plein. Oui. Ça veut-tu dire que vous avez, vous engagerez plus une firme pour faire le ménage dans les bâtiments de l'hôtel de, bien, écoutez, de la ville de Rivière? On veut peut-être y aller en méthode hybride, là, c'est ce qu'on regarde, engager peut-être quelques concierges, puis travailler à retourner en appel d'offres. Là, pour, il y a peut-être des bâtiments qu'on va reprendre à l'interne, puis il y a des bâtiments qui seront laissés, mettons, au privé. Là. C'est tout ça qu'on regarde. Là. Mais effectivement, il y a deux postes, je pense, qui vont être affichés au niveau de la conciergerie. Ah, OK, parce qu'ici, c'est marqué hein? Poste au comment? Syndiqué. Poste au plus. Hein? Deux et demi. Deux. Bien, c'est deux. Ben, deux postes à temps plein puis un temps partiel. Deux postes à temps plein puis un temps partiel. Pardon? Il y a deux postes à temps plein et un à temps partiel qui va servir notamment à remplacer les vacances, puis etc. Donc, on a deux postes à temps plein pour ces ouais. Les postes syndiqués ici. Oui. Merci beaucoup. Ça marche, M. Levasseur. Je ferai le tour. Bien, merci à tous. Belle fin de soirée. Puis on se revoit dans deux semaines. Je n'ai pas la date par cœur. Trois semaines? Ah oui, à cause des Jeux du Québec. Merci.